là 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 là. Eh ben dis donc, bonjour les enfants. Bonjour les amis. Oh. Ah, j'ai pas mis le micro, c'est pour ça que vous m'entendez pas. Alors bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, je suis un peu dur de la feuille. Vous savez comment je m'appelle? Comment? Comment? Attendez, vous pouvez dire un peu plus fort, j'entends pas bien. À trois, à trois. Un, deux, trois. C'est pas mal, mais les bancs du fond, j'entends rien du tout, là. Alors, on y va à trois. Un, deux, trois. C'est un petit peu mieux. Maintenant, mettez un peu du coffre, là. On y va à trois. Un, deux, trois. Je crois que ça serait mieux si vous étiez debout. Tout le monde debout. Allez, on y va. Attention. Alors, attention à trois. Un, deux, trois. Ça fait du bien, vous pouvez vous asseoir. Oh là 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 là. Bon, ça vous gêne pas si j'ôte mon beau chapeau? Comme ça, vous verrez mes longs cheveux soyeux. Ok, alors pour commencer le steak pack, normalement, il faut donner les règles du steak pack. Aïe, aïe, aïe. Comme... Ah oui, c'est vrai, on va voir si vous savez lire. On va faire comme à la télévision. Bon, vous imaginez, si je fais ça toute l'après-midi, ça va être terrible. Ah, on va faire autrement. Alors, je vais demander à... Monsieur, tu veux venir? Hop. Cours, 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 dépêche-toi. Il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Ici, comme ça. Voilà. Voilà. T'es sportif, toi? Tu fais quoi comme sport? Du tennis. Ouais, c'est du football, ça, c'est bien. Allez, voilà. Comme ça, t'es bien. Alors, maintenant, c'est pas compliqué. Chaque fois, tu vas te mettre en avant. Tu te penches en avant, comme ça. Et là, on applaudit. Quand il se relève, on arrête d'applaudir. On essaye. Encore une fois. Ouais, bon, moi, ça suffit. Il a dit, on prend les lunettes, tu peux aller dormir maintenant. Vas-y. Hop là. Alors, on va voir si vous avez bien compris. Ah! Bon, maintenant, il faut que ce soit bien clair entre nous, deuxième règle du steak pack. C'est moi qui choisis qui peut venir devant. Donc, les grands, là, inutile de faire... C'est moi qui choisis, hein. Ouais, surtout toi, je t'ai repéré. Bon, alors, maintenant, il faut trouver un mot jamique. Vous connaissez vous un mot jamique? C'est un mot magique. Comment? Jamique? Comment est-ce qu'on dit? Jamique, hein? Non, c'est magique, oui, c'est vrai. Alors, vous connaissez un mot magique, vous? Non. On vous apprend pas de mot magique à la maison? Oui. Quel mot magique on t'apprend? Quand on te fait un cadeau, tu dis? Merci. Bon, alors... Quand tu veux quelque chose, tu dis s'il te plaît. Pas merci, on dit merci après. S'il te plaît, oui. Et quand tu as donné un coup de pied à quelqu'un que tu n'as pas fait exprès, tu dis pardon. Voilà. Et les grands, vous n'avez pas appris ça, vous, alors. Et quand vous aimez très fort quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites? Je sais. Oh, que c'est joli, ça. Voilà. Alors maintenant, je vais vous apprendre un mot, c'est juste pour rigoler, hein. On va juste faire de la jamie. Il faudra m'aider parce qu'on va faire des tours spéciaux. Alors on y va? Vous mettez les deux mains devant, comme ça? Comme quand on chatouille quelqu'un, là. Hein. Allez-y, là, allez. Voilà, et on fait... Arrêtez, ça chatouille, hein. Allez, on le fait encore une fois. Quand je dis mot magique, allez-y. Un, deux, trois, mot magique. Ça va bien, extra. Alors maintenant, on peut commencer le stick back. Alors, je vais essayer de faire de la jamie, parce que moi, je suis très, très fort, vous allez voir. Voilà, j'ai ici deux cordes. Une petite et une grande. C'est pas ça? C'est une petite et une petite. Je sais pas, moi, j'ai commencé, c'est une petite et quoi, une? C'est une petite et une grande, c'est ça, oui, c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On a dit une petite et une grande. C'était pas ça tout à l'heure? Mais il faut savoir ce que vous voulez. J'ai dit, il y avait une petite et une grande. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas possible. Mais comment il fait? Mais tu sais, c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai regardé, puis en fait, j'avais plus qu'une seule corde. C'est ça ce qui est bizarre. Qui c'est qui a compris? Qui c'est qui a compris le truc, là? Hein? Qui c'est qui a compris comment il fait, le clown? C'est un truc. Je vous montre. Tu sais, toi, c'est quoi? Eh oui, tu vois, les deux ensemble, tu vois, regarde. Alors j'en ai deux, ça fait une, ça fait une grande ici, comme ça, avec la petite ici. Puis quand on en a là, on n'en a plus qu'une, comme ça.
Je vous explique, c'est très important. Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui croient que nous, les jamiciens, enfin ceux qui font de la jamie, la prestidigitation, on a des pouvoirs. C'est pas vrai. C'est juste des trucs. Vous n'avez pas bien regardé. OK? Et ça, tu seras le refaire, toi. Hein? Ouais, c'est pas compliqué. Hein? Voilà. Alors, on a le droit d'applaudir l'artiste. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Alors, je vais voir si vous êtes très fort en... mathématique. Voilà, il y a combien de boules, il y a combien de points ici? Vous êtes sûr? Ok. Et là, il y en a combien? Et là, il y avait combien tout à l'heure? Mais, et là, il y a combien là? Non, attendez, vous n'êtes pas fort en mathématiques. Et là, il y a combien là? Oh là 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 là. Qui c'est qui a compris le truc? C'est quoi le truc? Des fois, vous cachez des choses. Ah, tu crois que je cache quelque chose, c'est ça? Oui. Ah bon, on va voir, regarde. Donc ici, là, j'ai caché quelque chose. Il y a un caché, là. Mais c'est pas possible, comment il fait, alors? Et regarde, regarde, si je regarde bien. Ici, là, il y avait combien, là? Mais regarde, il y a un caché, ici. Mais c'est pas possible. Allez, vous faites un petit peu de magie, juste pour voir. On fait un petit guili-guili. On y va à 3. 1, 2, 3, allez-y. Oui? Ah, il y a un truc qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est! Ah là 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 là, mais c'est formidable! C'est bizarre, hein? Mais ça, c'est juste de la jamie. Merci beaucoup! Ouais! Oh là 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 là! Bon, ben dis donc, je crois qu'on va s'amuser cet après-midi. Est-ce qu'il y a un policier dans la salle? Est-ce qu'il y a un agent de police dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être policier? Qui? Qui c'est qui veut pas le citer? Toi, allez, allez, au boulot, hop! Alors, comment tu t'appelles? Joachim, salut, tu te mets là. T'es chef de la police. Voilà, c'est bien. Je te donne le bâton de policier. Voilà, bien. Bon. Non, c'est trop comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors, c'est pas compliqué. Moi, je suis apprenti policier, d'accord? Donc c'est toi qui vas m'apprendre à faire la police. Ça va aller? Comme tu vas être policier, ça va aller tout seul. Alors regarde bien. On fait comme ça. Ah, il y a un petit problème. Il chatouille. Alors, tu vas me montrer la direction. C'est-à-dire que si tu veux que j'aille comme ça, je dois faire comme ça. Si je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Ça va aller comme ça? Vous surveillez, voir si je suis dans la bonne direction, parce que moi, je suis très fort. Alors, on y va. C'est comme ça, c'est bon? Alors, voilà. Et on fait comme ça, c'est bon? Si je fais comme ça, ça monte? C'est bon, toujours dans la même direction? Non. C'est pas possible, c'est comme ça. Ah, voilà, c'est comme ça. Ta la 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 la. Attends, mais on va dans quelle direction, là? C'est par là. Par là, comme ça, comme ça. Alors, comme ça. Ça va? C'est bon? Mais c'est pas possible. Attends, on va te donner une autre direction. On va aller où? Par en bas, par en bas. Et par en bas, ça y est, là, je suis bon. Ah, comme ça, ça va aller. Ça y est, j'ai... Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Bon, je crois que... Est-ce que je suis un bon policier? Non. Lui, il est un bon policier. Alors, on va le transformer en policier. Vous dites guili-guili et on va le transformer en policier. On y va? Allez, guili, 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 comme il est beau. Regardez, on l'applaudit très fort, ouais. Bon, ben, il faudra que je revoie ma leçon, hein, je suis pas très fort. Allez, tu peux aller dormir maintenant, vas-y. Voilà, c'est bien. Oh là 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 là. Ben, il y a des fois, c'est un peu compliqué, hein, la jamie. Là, je suis un peu perdu. Alors, on va faire de la vraie... Ah oui, ça, c'est génial, ça, vous allez voir, ça va vous plaire. Ça, vous savez ce que ça, que ça, que ça, que c'est? Vous savez faire ça avec les doigts? Faites voir comme ça avec les doigts. Ça, il ne faut jamais faire ça avec les doigts. Parce que ça casse la magie qu'on va faire tout à l'heure. Alors attention, arrêtez de faire ça, ça suffit. Ça, je vais ranger. Et maintenant, j'ai besoin d'une demoiselle. Une demoiselle avec une jolie casquette. Tu veux venir, toi? Tu veux venir? Oh, t'as une jolie casquette, dis donc. Oh, dis donc, c'est bien ça. Alors, voilà. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Comment tu t'appelles? Comment? Aurélie, c'est là-bas que tu dois être, pas ici. Je vois où t'es là. Voilà. Voilà. Tu vas bien?
Tu te mets un petit peu plus devant, comme ça. Attends, tu as une jolie casquette, mais baisse-toi un petit peu, juste pour rire. Tu te baisses comme ça, baisse-toi. Non, tu te baisses comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, je t'ai apporté... Tu peux te relever, là, ça va. Bon. Alors, j'ai apporté ici, ça, c'est du rouge ici. Là, il y a du vert. Là, il y a du bleu. Et là, il y a du jaune. Mais ne laisse pas tomber par terre, écoute. Mais si... Bon, il n'y a rien là-dedans, tu les remets dans le sac, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller? Tu veux te souvenir? Tu te souviens des couleurs? C'est pas trop compliqué. Ok. Alors, attention, on va faire de la jamie. Maintenant, on fait guili, 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 guili. Non, mais attendez, on a oublié de faire autre chose. Il faut prendre le morceau rouge et le morceau jaune. Tu te fais avec moi. Vous prenez l'aiguille magique, la grande aiguille magique. On met le fil magique à l'intérieur, dans le trou, là. Allez, voilà. Ça y est, on a l'aiguille magique. Maintenant, on prend le bout rouge et le bout jaune et on les coud ensemble. On coud, on coud, on coud, on coud, on coud. Voilà. Et on prend le jaune avec le vert et on coud ensemble. Et maintenant, le vert avec le bleu et on coud ensemble. Et maintenant, le bleu avec le rouge et on coud ensemble. Et maintenant, on en met un très grand ruban comme ça. On va regarder. Maintenant, vous dites le mot magique. On y va à 3. 1, 2, 3. Allez-y. Guili, 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 guili. Alors, regarde, c'est formidable. Tiens. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait, là? Ça s'est pas attaché ensemble. On a mal fait la couture, là. Alors, tu remets dedans, s'il te plaît. Et j'espère qu'il y a quelqu'un, personne qui veut utiliser le ciseau, parce que là, on a déjà réussi à faire... Non, faut pas utiliser les ciseaux. Non, 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 n'utilisez pas les ciseaux. Non, 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 ah, comprends pas le français, c'est pas grave, vas-y, vas-y. Alors, c'est pas grave, on refait. On prend le bout rouge avec le bout jaune, avec la grande aiguille, et on coud. On prend le jaune avec le vert et on coud. Le vert avec le bleu et on coud. Et le bleu avec le rouge et on coud. Et ça y est, maintenant, on a une grande bande comme ça. Ouh, alors là, ça va marcher, je suis sûr. Maintenant, dis le mot magique. Dites le mot magique, oui. Vas-y, tu prends ça. C'est pas ça. Ça y est, ça a marché. Qu'est-ce que tu as fait là? Mais qu'est-ce que... Mais c'est pas... C'est pas possible. Mais on a mal cousu, là. Qu'est-ce qui se fait, là? Allez, on va remettre le ciseau. Alors, c'est pas grave. Surtout, faut pas utiliser les ciseaux. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave. Alors, on reprend le bout rouge avec le bout jaune et on coud. Le jaune avec le vert et on coud. Le vert avec le bleu et on coud. Le bleu avec le rouge et on coud. Et maintenant, on a un grand anneau comme ça. Ça va marcher, je sens que ça... Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va marcher. Alors, on dit le mot magique. Vous êtes sûr que c'est ça? Attends, on va voir. Aïe, 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 aïe. Tiens, voir ça. Ah, mais ça m'a fonctionné, dis donc, c'est génial. Ouais, surtout, faut pas utiliser les ciseaux, là. Non, 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 tu remets dedans avant qu'il me te donne les ciseaux. Tu ne les pas les ciseaux. Non, 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 non. Tu mets un après l'autre, s'il te plaît. D'abord le jaune, le rouge, le vert, c'est comme ça que joli. Voilà. Bon, on va plus avoir arrêté de faire la couture, je vois que ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Ouais. Oh là 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 là. Ouh. Ça, c'était compliqué, alors, hein. Oui, 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 oui. Alors, je vais vous faire venir. Ça, c'est un copain à moi. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je suis Monsieur Grand Livre. Ah, tu es Monsieur Grand Livre. Et qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Oh, une phrase très très belle. Ah, il va nous apprendre une phrase très belle. Alors, c'est quoi la phrase?
Alors écoute, oui j'écoute, je fais que ça. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, oui, ça va. Dis-le. Oui, dis-le. La vérité. La vérité. Te rend libre. Wow, c'est joli ça. Et je... Vas-y, répète-le. Je le répète, attends, je le répète. Ce qui est vrai, fais-le, dis-le, dis-le, et puis la vérité te rend libre. Oui, c'est très bien. Bon, alors écoute, je fais quoi maintenant? Mais il faut l'apprendre aux enfants. Ah d'accord, on va l'apprendre aux enfants. Alors, on va faire comme ça. Alors, ça commence comme ça, comme ça. Ce qui est vrai, dis-le. On essaie, c'est un peu compliqué, hein. Les grands ont fait de la peine aussi. Hein. Ce qui est vrai, dis-le. On répète. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. La vérité te rend libre. Bon, on recommence. Hein. D'abord les filles. Les filles, vous êtes prêtes? Les gars, vous ne pouvez pas entendre un garçon. Les filles debout. Toutes les filles entre 2 et 97 ans debout, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, attention. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Mais vous ne criez pas très fort, les filles. Hein. Alors, vous devez mettre un petit peu de volume. Hein. Alors. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Bon, les garçons, on va faire mieux. Debout, les garçons. De 2 à 97 ans, debout. Allez, on y va. Alors, attention, les gars. On y va. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Alors là, on y va, les gars. À fond, les ballons. Hein. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Libre! Alors maintenant, tout le monde debout, garçons et filles, on fait une petite répétition, et puis après, la surprise. Alors, on est prêts à 3, les filles, les doigts, les garçons. Allez, on met le volume, hein. Vous êtes prêts? Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre! Maintenant, la surprise. On va crier tellement fort la parole du Seigneur, ça va s'entendre jusqu'à Bienne, jusqu'à Pont-Autruy. Ça vous va? Allez, il n'y a même pas besoin d'ouvrir les fenêtres. On y va à fond les ballons. 1, 2, 3. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Et on applaudit le Seigneur qui nous donne des paroles super. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Bonjour, Auguste. Et bonjour, Tony. Auguste, j'aimerais faire un cadeau à Dina. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, c'est chouette. Mais ce cadeau est une surprise. Personne ne doit le voir. Peux-tu m'aider, Auguste? Mais bien sûr, pas de problème. Alors, voici mon cadeau. Cette boîte-là est pour Dina. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va lui plaire. Mais c'est une surprise. Peux-tu la porter à Dina? Oui, bien sûr, pas de problème. Mais personne ne doit voir ce qu'il y a à l'intérieur. Personne, même pas toi, Auguste. Bien sûr, pas de problème, ça baigne. Auguste, tu ne dois pas ouvrir la boîte. Si tu le fais, ça se verra. Tout le monde le verra. Auguste, je te fais confiance. Ouh.
Bonjour Dina, bonjour. Qu'est-ce que tu m'apportes là? C'est pour moi? Oui, c'est pour moi. Non, je veux dire, c'est pour toi, c'est un cadeau de la part de Tony. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que tu caches ton doigt? C'est un cadeau pour moi, je veux dire un cadeau pour toi, une surprise de la part de Tony, mais personne ne doit voir ce qu'il y a à l'intérieur avant toi, personne, même pas toi, je veux dire même pas moi. Bon alors Auguste, toi tu sais ce qu'il y a dedans? Non, je ne sais pas. Mais alors tu as regardé? Non. Mais si, tu as regardé, ça se voit. Mais comment est-ce que tu peux le savoir? Auguste, ton nez clignote. Ton nez clignote. Alors, ça se voit? Mais, oh non, zut alors! Ton nez clignote, Auguste. Ton nez clignote. Mais non, c'est pas possible. Mais si. Mais non, c'est pas possible. Mais si. Oh là là! Ne pleure pas, Auguste. Tout le monde fait des bêtises. Toutes les bêtises ne se voient pas comme ça. Mais tout le monde fait des bêtises. Mais tu peux être pardonné. Et tu peux changer. Ah bon? Mais c'est possible? Maintenant? Oui, c'est possible. Alors j'accepte d'être pardonné maintenant. Et je veux changer dans mon cœur. Maintenant, tout de suite. C'est un cadeau, Dina, c'est un cadeau pour toi. Pour toi, c'est une surprise de la part de Tony. Mais personne ne doit voir ce qu'il y a à l'intérieur avant toi. Personne, même pas moi. C'est bien, Auguste. Cette fois-ci, tu n'as pas regardé. Non, je n'ai pas regardé. C'est bien, Auguste. Tu vois, ton nez ne clignote plus. Ton nez ne clignote plus. C'est fini, tu es pardonné. C'est réparé. Oh, mais c'est génial. Oh, merci, c'est génial, formidable.
alors là, je n'y comprends rien du tout. Ouais, quelqu'un m'explique que ça, je ne sais plus comment je vais faire. Ça, une chose que je sais faire, c'est dire le verset qu'on a appris, ça je sais faire. Alors on y va, on y va. Ce qui est vrai, dis-le, la vérité te rend libre. Ça je sais, cette parole-là, je la sais, elle est formidable. Elle me fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Maintenant, on a fait quelque chose de très compliqué. Là, on va faire encore de la jamie, mais j'aurais besoin d'un monsieur et d'une dame pour m'aider. On va faire un truc. Est-ce qu'il y a un monsieur qui n'est toujours pas policier, là? Il est cool, le monsieur. Il est là-bas, le monsieur qui est policier. Viens voir ici. Et t'amène une dame ou une demoiselle avec toi. Voilà. Alors là, il va falloir... Wow. Alors, attends, voir. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, monsieur, le policier, tu viens, on va mettre ça de côté, parce que ça prend trop de place. Tu le fais tout doucement, voilà, et on va là, comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, toi, tu viens là, puis elle est ici. Bonjour, mademoiselle, comment tu t'appelles? Gamali. Comment? Gamali. Et toi, tu t'appelles comment? Luca, c'est bien. Magali, ce serait mieux si tu étais là. Puis toi, ce serait mieux si tu étais là. C'est une question d'équilibre, tu vois, parce que tu as un garçon... Une fille. Non, c'est pas... Non, il faudrait que tu sois là au milieu. Ça fait l'équilibre, ça fait jaune, jaune. Non, c'est pas ça. Non, c'est mieux quand même si tu es là. C'est toi, c'est bien. Alors, je te donne ça, tu ne laisses pas tomber par terre. Et là, tu ne fais pas tomber par terre. Et ça, je te donne le voile, tu ne laisses pas tomber par terre. Mais c'est pas possible, ils sont maladroits. Oh, allez, alors on y va. Tu vas mettre ça sur des menottes chinoises. Alors, vas-y, tu fermes fort, hein. Toi, tu regardes à l'intérieur pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Non, mais je ne demande pas de te mettre à l'intérieur. Tu regardes s'il y a quelqu'un à l'intérieur, s'il y a quelque chose à l'intérieur, s'il y a un jeu de clés à l'intérieur. Il n'y a personne? Mais il faut fermer, ça, c'est pas fermé, ça, à fond, hey. À fond, à fond, à fond, à fond. Aïe, 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 mes poils, aïe. Mais vas-y, ferme-la. Oui, ferme-la. Non, il a pas ouvert. Vas-y, aïe. C'est bon, à fond. Vas-y, comme à la répétition. Oui, ça y est. Maintenant, tu fais l'autre côté. Ça va, il y a quelqu'un dedans? Mais montre au public, le public, il ne veut pas te croire. Il se dit, tu retournes dans tous les sens, tu fais le ménage, et vas-y, hop. C'est pas vrai, la clé, elle est là. Je t'ai déjà expliqué. Faut encourager ce jeune homme, hein. Il a un petit peu de peine, là. Voilà. Ouais, ça, c'est bien, merci. C'est bon? Allez, vas-y, maintenant, tu y vas. Allez, hop. C'est bon? C'est bon, aïe. Ah! Aïe. C'est bon, t'es content? Hey, doucement, hein. Tu veux vérifier, voir si c'est bien fermé? Les enfants, venez regarder, venez vite regarder pour voir si c'est bien fermé. Venez. Faut pas tirer dessus, vous regardez juste si les fermetures, elles sont bien faites. Ça fait mal, hein, tu vois, regarde ça. Aïe, ça arrache les poils, faut faire attention. Alors, maintenant, vous pouvez vous asseoir. On va essayer de redire le beau texte qu'on a appris tout à l'heure, vous savez? Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Ça marche pas. Alors on recommence. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Aïe. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a des fois, il y a des gens, ils nous font du mal. Bam. Des fois, ils font du mal avec la langue. Ils disent des choses qui sont méchantes. Et ça nous fait tellement mal au cœur. Et puis, on est comme ça au fond du cœur. Puis, il y a des gens qui disent, « Oh, mais si tu es chrétien, tu dois pardonner. Tu vois, je vais pardonner, moi. » Alors, on dit, « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Puis, on est comme ça dans son cœur. Puis, Jésus, il a dit, « Mais ce qui est vrai, dis-le, la vérité te rend libre. » Moi, je suis prisonnier, là. Et vous savez ce que Jésus a fait? Vous vous souvenez quand il était sur la croix, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Une phrase extraordinaire. Il a dit, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il était sur la croix, il pense à pardonner. Puis il nous dit de faire comme lui. C'est compliqué, ça. Oh, c'est difficile de pardonner. Mais vous savez, c'est impossible de pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut se tremper dans l'amour de Dieu. Tu vas ouvrir ça, puis je vais me plonger là-dedans, mais pas tout de suite. Parce qu'on hésite d'abord, hein.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va redire les belles phrases que j'ai dites, puis à la fin, je vais me plonger là-dedans. Vous me donnez combien de minutes pour essayer de sortir de là? Aïe, aïe, oh, combien de temps? Aïe, combien de minutes? 5 minutes, oh, c'est gentil ça. Alors, on essaie un « ce qui est vrai, dis-le, la vérité te rend libre !» Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ah, regardez, oh là là, on voit encore les traces. Hein. Mais ça, quand on a demandé pardon au Seigneur, quand on lui demande de venir dans notre vie, alors il nous donne la force pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux, pour mettre les mains ensemble, et on va parler avec Jésus. Ça, c'est formidable. Pas Jésus, il est mort, mais il est revenu à la vie, puis il nous écoute. Alors, on y va. Vous répétez après moi, seulement si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous répétez très fort, mais si vous n'êtes pas d'accord, chut, restez en silence, on respecte ceux qui parlent avec Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et tu sais que des fois, j'arrive pas à pardonner. Je te demande pardon pour toutes mes bêtises. Et je te demande de me donner la force de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Que je puisse être libre. Tu le fais maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis libre maintenant. Tu as pardonné mes fautes. Merci, Seigneur. Wouh! Je t'aime tout plein. Waouh! Tu es formidable. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont mal à quelque part, mal à la tête ou à la jambe ou dans le ventre. Ou peut-être vous connaissez quelqu'un, peut-être le grand-papa, papa ou maman ou quelqu'un dans votre famille qui n'est pas bien. On va faire quelque chose de tout ça. On met la main là où ça fait mal, ici sur la tête ou dans le ventre ou sur la jambe ou je ne sais pas, où la personne a mal ou bien où vous avez mal. Puis on va en parler avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu sais où ça fait mal. S'il te plaît, guéris-nous. Merci Seigneur. Tu es extraordinaire. Et on applaudit très fort le Seigneur Jésus. Ah là 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 là. Parce que c'est lui qui a dit ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Et on l'applaudit encore très fort. Oui, il est formidable. Ça va? C'est pas trop compliqué à suivre? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ouais. Bon, alors je vais demander à un garçon de venir pour m'aider, là. Moi, j'aimerais un petit, là. Ouais, bah, viens voir, toi, avec tes lunettes, là, t'es jolie, viens voir. Hop là. Ah là 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 là. Faut venir ici vite, c'est ce que j'ai besoin de ton aide. J'ai une baguette magique ici. Elle... Oh, tu vois, d'accord, ça commence bien. Vous voulez lui donner le bouc, tu viens. Comment tu t'appelles? Ici, tu dois te mettre. Mais on va chercher le truc là-bas. Ici, là, tu dois être. D'accord, ça. Comment tu as dit ton nom? Ozias. Ozias. Alors, Ozias, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre ça ici, puis ça répare, c'est tout. D'accord, vas-y. Allez, on y va. Non, pas comme ça. C'est vrai, je suis doué. Je me dis, j'ai voulu donner un coup de main à Ozias. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, tu vois, c'est pas compliqué. Tu le mets ici. Tu le mets ici comme il faut. Voilà. Non, pas comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. C'est gré. Donne un coup de main à votre ami, là, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Eh, mais il me tire dessus. C'est pas possible. Voilà, ici, là, comme ça, là, comme ça, là, ici. Hop, là, pas là, t'es dit, là. Y'a là. D'accord, mais c'est pas possible. Allez, vas-y. T'as compris le truc ou tu vois, dis donc, tu peux pas réparer ça. Tu es un grand, toi, montre au petit comment ça se répare. Oui, comme ça, voilà. Mais non, mais pas comme ça! Ici, il est passé où? Ozias, t'es où? Où qu'il est? Ah, il est là. Ici, là, comme ça, là. Voilà, allez. Non, mais c'est pas possible! Ah, voilà. Ah,
qu'est-ce qu'il est, il est parti. Il est où? Ah, il est là. Ah, c'est là, ça y est. Vas-y, mon grand, allez, tu mets dedans. Il s'est terminé. Oh là, ça, c'est fini. Voilà, c'est bien. C'est pas possible, les gars-là. Ah, là! Bon, allez, va chercher. Il est là-bas. Où qu'il est, l'Osias? Ah, t'es là. Là, ici, comme ça, là. Hé, ici, mon grand. Oui? Ça y est. Ouh, il a réussi. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Voilà. Qui c'est qui voudrait venir, là? Là, tu veux venir, toi? T'es sûr? Aïe. Attention. Alors là, ça, c'est très compliqué, parce que je vais lui donner une gabette magique très spéciale. Dépêche-toi, mon grand. Cours. Comment tu t'appelles? Fabio. Fabio. Voilà. Je te donne une baguette magique. Tiens-la bien fort. Non, pas comme ça. Écoute. Attends. Ça, c'est une grande baguette pour les grands magiciens. Toi, tu as une petite baguette. Tu es un petit magicien. Alors, tu as une petite baguette. Moi, je suis un grand magicien parce que moi, j'ai une grande baguette. Je suis un grand magicien. Toi, tu as une toute petite baguette parce que tu es un tout petit magicien. Les grands magiciens, ils ont des grandes baguettes. Les petits magiciens, ils ont une petite baguette comme ça. Tu vois, comme ça. Hein? Non, toi, tu as une petite baguette. Moi, j'ai la grande baguette parce que moi, je suis le grand magicien. Vas-y. Non. J'ai dit que toi, tu avais une petite baguette et moi, j'ai une grande baguette parce que c'est moi, le grand magicien. Oui, la toute petite baguette. Des grands magiciens. Ah non. Tu as une petite baguette. Moi, j'ai une grande baguette de grand. Moi, je suis le grand magicien. Non, c'est pas possible, ça. Non. Ici, là, voilà. Ça, j'ai la grande baguette, et lui, il a une petite baguette de... Vas-y, il a la grande baguette de magicien. Il a une petite baguette de magicien, de réalité de ça. Ah! Mais c'est pas possible! Il t'a dit, non, t'as la grande baguette de magicien, lui. Il a une petite baguette de ça. Grande baguette, voilà, l'applaudit très fort! Oui, c'est bien. Oh là 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 là! Aïe! Alors, on va faire quelque chose de très spécial. Là, j'ai... Oh là là! Ouais, bon, on va voir ça. Aïe! Là, je vais avoir besoin de votre aide parce que... Normalement, maintenant, c'est le moment du dessin. Je dois dessiner. Oh, oui. Alors, on va dessiner, et là, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que, alors, d'abord, on fait un œil comme ça. Il est beau, hein? Ça, c'est un bel œil, hein? Et puis, on fait un autre bel œil comme ça. Voilà. Et puis, on lui fait la bouche, et puis, on fait aussi. Voilà, comme ça. Et joli? Viens voir, mon grand, viens voir lui dessiner le nez. Viens faire un nez. Cours, vite! Comment tu t'appelles? Comment? Dylan. Allez, un nez. Fais-lui un gros nez. Ouais, ça c'est un gros nez. Il est beau le gros nez. Fais-lui aussi les oreilles alors. Fais les oreilles ici, là, de côté. Voilà, une oreille, puis l'autre oreille là. Voilà. C'est bien. Et puis une demoiselle, une demoiselle qui va venir. Viens vite, demoiselle, viens vite. Toi, tu vas dormir, tu vas aller coucher. Dormir, non, tu vas t'asseoir. Attention, il va se casser la figure. Voilà. Tiens, bonjour, mademoiselle, comment tu t'appelles? Alors, Julie, tu lui fais le tour de la tête comme ça. Joli, hein? Oh là là, il va être content, dis donc. Oh là là. Voilà, c'est bien. Maintenant, tu peux en rejoindre ta place. On lui met des cheveux comme ça. Voilà, comme ça, on lui met des cheveux, comme ça. Il est joli comme ça? Ça vous plaît? Il n'est pas beau? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est quoi? Ah, c'est le nez qui n'est pas assez grand. Bon, on va faire un nez plus grand, c'est pas grave, voilà. Voilà. Il est mieux comme ça? Ça va mieux? Pourquoi vous regardez le tableau comme ça? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Comment, les yeux qui... Ah, les yeux qui ne vont pas? Mais si, les yeux, ils sont très bien, écoute, voilà, ça va bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et quoi, les... Les yeux ne bougent pas, c'est un dessin, on va raconter n'importe quoi, là. C'est pas possible, il ne peut pas bouger. Ah!
Mais c'est pas possible, ça. Mais alors, il est vivant? Oui. Ah. Attends, tu es vraiment vivant? Oui. Et comment tu t'appelles? Arthur. Ah, comment? Arthur. Arthur. Mais c'est pas possible, ça. Tu t'appelles Arthur? Oui. Mais il bouge vraiment, hein, c'est bizarre, ça. Et alors, t'es content? Non. Pourquoi t'es pas content? À cause des cheveux. Ah, les cheveux, oui, c'est vrai. Et voilà, on a mis plus de cheveux, comme ça t'es content? Oui. Pourquoi? Je suis plus beau que toi. Merci, c'est gentil, il est plus beau que moi. D'accord. Bon, écoute, tu sais, on t'a assez vu, maintenant tu t'en vas. Non. Non, si, tu t'en vas. Allez. Voilà. Il est gentil, Arthur, mais il est mieux quand même loin quand il est prêt. Hein. Je suis toujours là. Quoi? Dis, c'est pas possible. Vous avez vu quelque chose? C'est pas possible, ça. Non, ça suffit. Merci beaucoup. Oh. Ah là 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 là. Alors, on nous dit, ouais, les clowns, vous êtes gentils, mais vous devriez faire de la zumique. Ah, essayez de faire de la zumique. Je vous ai apporté mes instruments préférés. Ça, c'est un instrument, les dames et les jeunes filles, elles adorent, parce qu'il y a trois tons. Ton. Vous allez voir, c'est très joli. Vous me dites si c'est joli, hein. Attendez, vous n'avez pas bien écouté. Ah, c'est pas grave. Je vous ai apporté un autre instrument de musique. Celui-là que j'ai joué tout à l'heure, ça c'est le bruit des petits oiseaux dans la forêt. Tu sais, qui sont juste là, qui nous regardent. C'est pas ça? Attendez, je refais parce que vous n'avez pas bien entendu. Voilà, alors c'est celui-là que vous préférez alors? Non, ah, c'est celui-là alors que vous préférez. Alors, on est en Suisse, c'est pas grave, j'ai trouvé le cor des Alpes que j'ai ramené du Brésil. Cor des Alpes brésilien. C'est très joli, la jeune femme, elle est en haut sur le balcon, le jeune homme est en dessous, très beau, comme ça, il fait... C'est pas ça? Écoutez, c'est... Attendez, voilà. Ah, j'ai oublié, il faut mettre le genou par terre, comme ça. La, 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 la. Bon, alors c'est pas ça. Vous préférez celui-là alors? Vous préférez celui-là alors? Vous préférez celui-là alors? Bon, alors, le vrai cor des Alpes. Ça, c'est un vrai cor des Alpes suisse, fait en Chine. Ça vous plaît? Bon, c'est pas grave, alors on va faire de la musique comme ça. Alors, vous allez voir, c'est très joli. Alors, c'est... D'abord, je vais faire sans accompagnement, comme ça, là. Vous allez reconnaître tout de suite, c'est une mélodie très connue. Ta! Alors, vous savez, je crois que s'il y a un accompagnement, ça va aller mieux. Donc, on va dire musique. À trois, on dit musique et les musiciens vont commencer. D'accord, on y va? 1, 2, 3. Thank you.
C'est pas grave, on va faire le suivant, c'est pas grave. Oh, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Ah là 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 là, je sais plus où j'en suis. Oh là 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 là. Bon, il faut que je trouve un autre métier que celui de musicien, parce que alors là, c'est... J'ai vraiment beaucoup de peine. C'est pas grave, voilà. Alors les enfants, normalement le steak pack, il est terminé. Mais on va encore refaire comme ça. Ça commence comme ça. Ce qui est vrai, dis-le. La vérité te rend libre. Et on l'applaudit encore très fort. Ouais. Alors je voulais vous montrer un dernier truc sympa. Ça s'appelle la échelle de Jacob. Jacob, c'est un monsieur qui a eu un rêve. Il a vu le ciel, il y avait un escalier qui descendait et qui remontait. Et il y avait des anges qui descendaient et qui remontaient. Moi, je sais faire descendre les anges, regardez. 1, 2, 3. Il est descendu. Regardez si là, il va descendre. Hop, il est descendu. Alors, je sais les faire descendre. Et parce que je suis un grand jamicien, je sais les faire remonter. Vous voulez les voir remonter? Un petit peu d'imagination. Ici, on regarde ici et on voit, il descend. Mais si vous regardez ici en bas, comme ça, là, il remonte. Là, il remonte. Là, là, il est remonté. Là, il est remonté. Là, il est remonté. Et là, il descend. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Petit moment publicitaire, je vous montre. Ça, c'est le spectacle de l'année dernière. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi pour tous les jours. Et en plus, il y a encore une heure de magie après. Et puis, il y en a qui disent, mais comment il fait la jamie, ce monsieur? Alors, Auguste, il dévoile ses tours et vous pouvez les trouver là-bas à la sortie. C'est un peu plus cher parce que c'est des DVD de professionnels. Et puis là, alors là, ça, c'est spécial. Ça, c'est le spectacle de mon beau-fils au Liban. Ça s'appelle l'âne du roi, des grandes marionnettes. Et c'est rigolo comme tout. Et c'est en français et aussi en arabe du Moyen-Orient. Voilà. Et puis, je vais vous faire un dernier tour. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une dame qui soit couturière. Est-ce qu'il y a une couturière ici? Madame, vous êtes couturière? Oui, 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 oui. Elle est couturière. On applaudit la couturière! Comment vous vous appelez? Couturière, c'est bien. Ça, c'est un joli prénom, ça. C'est ça. Alors ça... Ça, c'est notre vie, hein, vous voyez, les belles... Ah! Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Alors, ce qu'on va... tu vas couper, mais pas tout de suite, attends. Alors, on va couper, on va faire... Est-ce qu'il y en a ici qui font des bêtises? Vous dites des bêtises, vous faites des bêtises? Non. Chut. Bon, ben, il y a des gens qui disent pas vraiment la vérité, là. Voilà. Oui, il y a le nez qui clignote, là. Alors, on va couper la corde en deux. Mais, non, mais pas les doigts, hein. Juste la corde. Vas-y, on y va. 1, 2, 3. Vas-y. Oh, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Alors, on a deux bouts. On va essayer de réparer ça. On va faire un nœud. Voilà, on prend les deux bouts et on les met ensemble, comme ça. Et voilà. C'est tout beau, tout propre. Vous êtes contents, les enfants? C'est joli? Non. Pourquoi? Ah, à cause que du nœud? C'est cassé. C'est cassé, oui. Ben, madame, elle va réparer. Alors, tu coupes ici, mais pas les doigts, hein. Oui, comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas mon doigt. Il est dangereux, c'est dingue. Encore un petit bout, là. Attention, hein. Ah, guédé. Non, c'est pas... Ici, c'est... Voilà, merci. Alors, regardez, c'est formidable. Là, vous avez un nœud. Et là, vous avez un nez. Alors, regardez, si vous regardez, mon nez et pas le nœud va disparaître.
Attention, vous êtes prêts? Il faut regarder le nez. Mais pourquoi tout le monde regarde le nœud? Si vous regardez le nœud, c'est mon nez qui va disparaître. Ça va pas, ça? Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. Regardez, ça c'est fantastique. Je suis vraiment un très grand magicien. 1, 2, 3, stop! Il n'y a plus de nœud. Qui c'est qui voit un nœud? Qui c'est qui voit un nœud? Tu vois un nœud, toi? Il est où le nœud? Vous le voyez? Vous le voyez où? Il est où, dans? Vous voyez, ces enfants, ils voient des choses invisibles. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la seule solution qu'on a, c'est comme on a dit tout à l'heure, on vient vers le Seigneur Jésus, et on dit, Seigneur Jésus, je suis désolé pour toutes les bêtises que j'ai dites, toutes les bêtises que j'ai pensées, et toutes les bêtises que j'ai faites, et je te demande pardon, et je te demande si c'est possible, d'essayer de réparer tout ça. On va ranger les ciseaux, ça fait assez de dégâts. Alors, maintenant, madame, vous allez souffler. Pas toucher! On souffle. Non, mais il ne faut pas cracher. C'est mieux le mot magique. 4 rondes du mot magique. 1, 2, 3, on y va. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. On prend le petit bout comme ça. Voilà, et on y va. Ouais! Fantastique! Merci beaucoup, madame la couturière. Waouh! On applaudit très fort. Voilà les enfants, le steak pack est terminé. On va écouter la grande musique. Et moi, je vous dis au revoir! J'ai un problème avec ma fleur, là. Tu veux venir, ma grande demoiselle? Tu veux venir vers moi? Tu veux venir? Toi, tu sais réparer les fleurs? Tu sais réparer les fleurs, toi? Il est tout cassé. Tu sais réparer les fleurs? Comment tu t'appelles? Timmy, tu voudrais souffler sur la fleur? Encore. Comment tu fais? C'est fantastique, ça. Passe-moi quand je souffle. C'est une catastrophe. Tu peux souffler, toi? Voilà. On l'applaudit encore très fort. Voilà, merci. Voilà, au revoir, les amis. Bye bye. Madame, monsieur, bienvenue. Il est clown, inscrit au registre du commerce. Il fait rire petits et grands par ses différents tours de ventriloque, d'illusionniste, de prestidigitateur. Il s'appelle lui-même le bouffon du Big Boss. Jean-Pierre Frosch, bienvenue. Bonjour. Alors, clown, par les temps qui courent, connaît pas la crise? Oh, si. Les gens, en ce moment, hésitent à nous inviter parce que les animations sont les dernières choses qu'on va avoir dans une entreprise. Donc il y a des hésitations à engager un clown en ce moment. Mais en même temps, quand on voit le succès que vous avez dans vos spectacles, on se dit que tout le monde doit vous souhaiter avoir à faire avec vous lors d'un anniversaire, lors d'une fête particulière d'entreprise ou autre. Oui, alors ça s'est calmé cette année. Il y a moins de demandes, mais il y en a quand même. Je ne suis pas au chômage. Alors je vous propose de voir une première séquence à Chavornay où on vous voit en début de spectacle. Je vous ai apporté ma valise magique. Vous avez déjà vu une valise magique? Non! Est-ce que vous voulez voir une valise magique? Oui!
Ah, oui, d'accord. Bon, d'abord, hein, il faudrait savoir comment je m'appelle. Parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Comment je m'appelle? Auguste. Qui c'est qui vous a dit? Auguste. Qui vous a dit? Qui c'est quoi? Ah, c'est ça ou c'est ça mon nom? Ah non, Cricri, c'était le petit animal de tout à l'heure. Moi, c'est Auguste. Est-ce que vous savez dire Auguste? Attendez, on fait une répétition. 1, 2, 3. C'est pas mal, un peu plus fort. 1, 2, 3. Alors maintenant pour de vrai. 1, 2, 3. Oh là là, ça fait du bien. Jean-Pierre Frosch, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ah, je me marre, c'est génial. Moi, je suis un des fans de ce monsieur-là. Non, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe, puis j'ai l'impression d'être un gamin qui regarde la scène, puis ça me fait Ce qui beaucoup. Est tout à fait extraordinaire, c'est de voir la réactivité de ces enfants qui crient « Auguste, Auguste ». Qu'est-ce que ça fait quand on entend comme ça un public d'enfants? Ça fait du bien. avec le métier que j'avais avant, jamais j'avais un succès comme ça. D'abord, on m'appelait pas, et puis d'entendre son nom comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Auguste, pourquoi ce nom-là? Ah, Auguste, c'est pour une raison très simple, c'est que mon papa s'appelait Pierre Auguste, et puis quand j'ai décidé de choisir un nom de clown, j'ai pensé à lui, non pas qu'il était clown, mais c'était un souvenir de la mémoire que j'avais de lui, et puis Auguste, c'est aussi un style de clown qui me convient tout à fait, un peu ballot, qui rate ses tours, qui fait des bêtises, et ça correspond bien avec ma personnalité. C'est quand même extraordinaire de voir le succès que vous rencontrez auprès des enfants. Manifestement, il n'y en a pas un qui ne craque pas. Je ne sais pas, ça, il faut voir. Mais il y a aussi un certain succès auprès des plus vieux. Les enfants qui ont dans les 80-97 ans, ils réagissent aussi très bien. Et ils vous applaudissent et ils crient aussi comme ça. Auguste, Auguste, on vous veut jusqu'à... Ah, c'est génial. Jusqu'à fort tard? Oui, oui, des fois tard, oui. Je me souviens avoir fait une animation pour une banque, je ne dirais pas laquelle, et j'avais là 40 banquiers qui me regardaient en disant « Mais pourquoi notre chef a invité un clown pour la soirée de clôture ?» Et puis, au lieu de rester une heure, je suis resté 3h30, ils ne lâchaient plus, quoi. Alors, je vous propose de voir une nouvelle séquence où on va réaliser tout concrètement qu'il faut s'entraîner pour être clown. Ah oui, c'est du et travail. Et ce n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser au premier abord. Vrai. Alors effectivement, tous les jours, vous devez un peu vous exercer, maintenir votre entraînement. Ce n'est pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, je prends du temps, oui. Alors je crée de nouveaux tours aussi. Et là, c'était un tour avec des clochettes, donc vous avez dû acheter ces clochettes bigarrées. Ça, c'est un copain, un ami, c'est mon formateur, c'est le clown Kinou qui prend du temps avec moi et qui m'a fait un cadeau un jour. Il m'a dit « Écoute, je te ramène des clochettes ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec des clochettes ? Tu verras, c'est génial ». Et puis, il m'a montré comment ça fonctionnait et voilà ce que ça donne. Mais il faut du travail parce que pour réussir à manipuler ces clochettes suffisamment fort pour que le public puisse entendre, c'est du travail. On y arrive. Là, j'ai fait 27 spectacles au Liban dernièrement. Ça a marché sans problème. C'était génial. Et ce petit morceau avec des clochettes faisait partie du spectacle? Oui, justement, oui. Je le répétais, oui. Et là, comment... parce que ça veut aussi dire que vous êtes quelque part un peu musicien. Donc, vous êtes à la fois ventriloque, vous êtes prestidigitateur, vous êtes illusionniste. Mais en même temps, il faut avoir des compétences en matière de musique. Oui, enfin bon, quand on regarde le début de la séance, on se rend compte que je me trompe de cloche, les cloches tombent par terre, c'est une catastrophe. Bon, ça fait partie de la clownerie. Et puis après, on essaie d'avoir le morceau sérieux. Mais des fois, c'est presque impossible, tellement les gamins rient, puis on rit avec, puis on se trompe aussi. Non, je ne suis pas vraiment un bon musicien, mais ça suffit, avec les cloches, ça va bien. Alors, quand est-ce que ce virus de la clownerie, comme vous dites, vous a pris? Si je posais la question à ma femme, elle me dirait « mais t'as toujours été clown, quoi ». Parce que, en fait, j'aime rire depuis tout le temps. Et j'étais pasteur pendant bien des années. Et j'essayais de faire rire avec l'humour pendant mes messages et même pendant les cultes. Ça passait plus ou moins bien parce que j'étais quand même un pasteur. Et puis, depuis l'an 2000,
J'ai commencé ce ministère de clown et là, je me suis défoulé. J'ai plus besoin de me retenir, c'était fabuleux. Alors moi, je me réjouis autant que les gens. Alors je vous propose de voir une nouvelle séquence où on vous voit avec un tour tout à fait intéressant et surprenant. Dis-moi, je te donne... On se met ici tous les deux, on est des artistes, allez. Je vais te donner une baguette et tu vas les transformer en quoi? Tu dis affût et tu les transformes en... En grenouille. Alors c'est pas compliqué, tu sais dire affût? Alors tu fais comme ça, affût. Il faut avec la baguette. Alors tu prends ma baguette, pas la tienne, mais la mienne. Alors tu prends la baguette et on y va. Hâte. Non, j'ai dit ma baguette, pas la tienne. Range ça, s'il te plaît. Oui, voilà. Tu prends la baguette, on y va. Et à trois, on y va. Un, deux, trois. J'ai dit ma baguette, pas la... Allez. On y va à trois, t'es prêt? Allez, hop, hop. Non, mais qu'est-ce que ça que c'est? Oh là là, allez, reprends ma baguette. Tu prends la baguette, on y va, à trois, on est prêt, t'es prêt, t'es prêt, on y va. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu les multiplies, c'est pas possible. Où est-ce qu'il va les chercher? Tu prends la baguette, oh, bon, tu dis, ah. Oh non, monsieur Pompré. Oh là là, alors écoute, tu sais, on va faire autre chose. Si vous voulez bien, les enfants, il voulait vous transformer en quoi, lui? Ah ouais? Moi, j'ai envie de le transformer en clown, vous êtes d'accord? On y va, à trois, vous dites le mot magique. Un, deux, trois, et hop là! Et on applaudit le grand clown! Vous êtes extraordinaire, Jean-Pierre Frosch. Quand on a l'occasion de regarder cela ensemble, vous rigolez comme si vous y étiez. Ah oui, c'est génial. Puis la réaction des gamins, ça passe en quart de tour, quoi. C'est quoi le secret de l'humour d'Auguste? C'est magique, dans le sens qu'il y a un jeu de mots, il y a un tour avec une baguette, avec n'importe quoi, et puis tout d'un coup, ça explose, il y a quelque chose qui se passe. Ça vient comme ça à fleur de peau, puis ça sort. Et des moments, moi, ce tour-là, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, puis il est complètement différent maintenant, tellement je l'ai fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres réactions que les enfants pouvaient avoir. Parce qu'après, je compte les baguettes, puis je me trompe quand je compte, puis les gamins, ils deviennent fous, parce que ça fait 1, 2, 3, 7, 14, ils deviennent cinglés. Et puis ils disent, oh non, c'est pas comme ça. Et c'est de la folie, quoi. Alors, lorsque on vous voit comme ça, finalement, ça paraît assez simple. Vous avez des grosses chaussures, un nez, vous êtes un peu grimé, une grosse salopette. Finalement, il ne faut pas grand-chose pour que, dans une vie quotidienne, le rire éclate. C'est pas si simple que ça. D'abord, il faut accepter que les gens puissent se moquer de vous, rire de vous. Parce qu'en fait, je suis un auguste, dans le sens que je suis aussi un clown qui fait rire, mais dont on rit. Et c'est pas facile de voir les gens rire de soi, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a mal fait, parce qu'on compte mal, parce qu'on s'exprime mal. Et ça, j'ai mis du temps à accepter ça. Je crois qu'il fallait que j'aille un bon 50 ans pour accepter de devenir... Qu'on rit de vous-même, oui, oui, à ce point-là. Qu'on rit de moi, oui. Mm-hmm. Parce qu'avant, je me prenais quand même un petit peu au sérieux. Maintenant, je peux plus, c'est plus possible. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop génial d'être comme ça. Ok, je vous propose maintenant de voir une nouvelle séquence où nous pouvons entrevoir ce qui nourrit votre hilarité et votre joie de vivre. Vous savez, j'ai un ami, il est peinturlureur. Vous savez, mon ami, peinturlureur. C'est quoi un peinturlureur? C'est juste le mot peinturlureur. C'est comment qu'on dit? C'est peintureur. Peintureur, ah, peintureur. Ah, c'est peintre. Ah oui. Alors voilà, il m'a dit, j'ai mis ici la photo de celui que Dieu aime le plus. Et moi, je sais, c'est moi. Vous voulez voir si c'est moi? Oui. Alors on y va à trois. Un, deux et trois. Est-ce que c'est moi? Non. C'est pas moi? Non. Mais qui c'est? Ah, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Oh, cet ami, il est terrible. Vous savez, c'est aussi un farceur. Mais derrière, il y a vraiment la photo de celui que Dieu aime le plus. Et vous voulez voir? Oui. À trois, on y va. Un, deux, trois. Regardez qui c'est. Regardez qui c'est. Qui c'est ça? Oui, regardez. Mais oui, regardez qui c'est.
et si vous regardez bien, qui c'est qui est là? C'est moi. On applaudit, merci. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Jean-Pierre Fauche, au travers de ce tour assez exceptionnel et très profond, si on y réfléchit un peu? Alors, je vais plus loin maintenant avec ce tour, parce que je voulais qu'il y ait un message encore plus fort. Alors, je dis, après, je pose la question aux enfants, mais est-ce que quelqu'un se brosse les dents le matin et le soir? Alors, moi, je gronde un peu ceux qui ne se brossent pas les dents. Et puis, je leur dis, mais qui c'est qui se brosse devant un miroir? Et puis, bon, beaucoup de gens lèvent la main, enfin, les enfants les réagissent bien. Je dis, mais chaque fois que vous allez vous brosser les dents, matin, midi et soir, si vous le faites trois fois par jour ou qu'une fois par jour, rappelez-vous que celui que vous allez voir dans le miroir, c'est celui que Dieu aime le plus. Et ça, ça va rester. C'est un message qui va rester profondément. Et pourquoi ce message-là? Parce que c'est le message de Jésus et de l'amour du Seigneur que je veux faire passer. Et c'est un message qui vous touche personnellement? C'est quelque chose que vous avez découvert et avec lequel vous vivez dans votre quotidien? Oui, alors bon, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur il y a bien des années, j'avais 20 ans. Et c'est dans un moment très intime que j'ai passé avec lui, que j'ai entendu, bon ça c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai entendu sa voix qui me disait « Jean-Pierre, je t'aime ». Et c'est cet amour que le Seigneur avait à ce moment-là pour moi et qui continue d'avoir pour moi, qui imprègne toute ma vie et ma manière de vivre. Donc finalement là, lorsque vous faites un tel sketch, un tel tour, vous dites quelque chose d'essentiel pour vous, qui est même constitutif de votre identité chrétienne. Ah, tout à fait. Je suis aimé du Seigneur et je sais que le Seigneur aime tous ceux qui sont en train de m'écouter et j'essaie de faire passer doucement le message. Ça dépend avec qui je suis, mais c'est ce que j'ai au fond de mon cœur. Je voudrais que les gens se rendent compte qu'après m'avoir vu, avoir vu un spectacle, ils se souviennent d'une chose, c'est que Dieu les aime. Ça, c'est au moins, ça, c'est très basique, mais au moins, il y a ça qui passe. Je vous propose de voir une nouvelle séquence où vous poursuivez dans l'élaboration d'un message que vous transmettez au travers de vos tours de clown. Oh, j'ai un beau bouquet! Un très beau bouquet. Regardez comme il est beau. Eh bien, ce bouquet me fait penser à ce que certains ont vécu. Vous avez vécu des choses difficiles. Et peut-être quand vous étiez enfant, vous avez vécu des choses très difficiles. Aïe, aïe, aïe. On vous a volé des choses très précieuses. On vous a fait tellement de mal. Et puis, on a fait du mal à votre corps, à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez pleuré? Et c'est ça ce qui reste. Dans la Bible, il y a l'histoire de Job. Job a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et à un moment donné, il s'est retrouvé comme ça. Il était même assis sur un tas de fumier en train de se gratter les boutons qu'il avait. Il n'avait plus rien, tout perdu. Mais il a fait confiance au Seigneur. Il est venu se réfugier dans l'amour du Seigneur. Et il a dit, « Seigneur, je t'en supplie, prends pitié de moi, sois mon défenseur. » Et le Seigneur s'est occupé de lui. Et oui, regardez ce qu'on lui a volé, le Seigneur le lui a rendu bien différemment. Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et il y a un verset, une partie de la Bible qui dit ceci, « Ce que les sauterelles et les criquets ont dévoré de vos récoltes, moi je vais vous dédommager, je vous rendrai ce qu'on vous a volé. » Le Seigneur est vraiment formidable. Il fait des choses extraordinaires. Regardez ça, ce que c'est beau. C'est extraordinaire. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez lui faire confiance et lui apporter toutes les choses qui vous ont fait mal et dire « Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là. » Et lui viendra vous consoler et vous redonner ce dont vous avez besoin. C'est pas formidable? Moi, je trouve que le grand patron d'Auguste, il est génial. Tu es formidable, mon big boss. Formidable, et je t'applaudis. Jean-Pierre Proche, vous vous appelez ou vous faites appeler en tant que clown le bouffon du Big Boss. Vous vous retrouvez là, c'est... Oui, là je sens qu'il y a... c'était un message solide. Ce n'est pas juste une petite phrase qui passe. Il y a le contenu de l'évangile qui est en train d'apparaître. Et pour moi, c'est tout mon passé aussi. Bon, j'ai une formation pastorale, j'ai fait pas mal de théologie. Et ça, c'est l'avantage que j'ai. Je suis
clown et j'apprends la clownerie, j'apprends la magie. Mais en même temps, je suis un homme qui aime les Écritures et qui veut faire passer ce message de la Bible. J'ai quand même des années de pratique. Alors Jean-Pierre Fauche, vous avez l'occasion à la fois de faire vos tours de clownerie à gauche à droite en Suisse romande, en France également, mais vous allez aussi régulièrement au Liban. Pourquoi ce pays ? Oh, je suis tombé amoureux du Liban pour la simple bonne raison, d'abord que ma fille a épousé un Libanais. Et puis j'avais visité le Liban il y a bien des années, hein, c'était en l'an 2000 justement, juste avant que je commence mon ministère de clown. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, il y a un accueil particulier. Et de manière assez surprenante, vous allez dans toutes sortes de milieux, parce qu'on pourrait penser qu'en tant que pasteur, vous allez vous contenter d'aller dans les milieux chrétiens, mais je suis un clown chrétien, jusque dans le sud, au milieu du patrimoine, entre guillemets, Hezbollah. Oui, alors ça c'est extraordinaire, c'est un cadeau que Dieu m'a fait, parce que je travaille beaucoup avec les catholiques sur place, les catholiques maronites, et puis les orthodoxes. Et puis cette année, alors il y a une porte qui s'est ouverte, c'est une ONG qui m'a invité dans le sud du Liban, dans des écoles tenues, qui sont en lien avec le Hezbollah, donc des écoles musulmanes chiites. Et là, je peux parler de l'amour de Dieu, je parle de l'évangile qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas parler de Jésus, je ne peux pas parler de la Bible, mais je parle d'un Dieu qui nous aime, qui peut nous pardonner, qui nous et protège. Et quel est l'accueil? Parce qu'on pourrait penser que vous allez prendre des tomates ou qu'on va... Alors là, j'étais très surpris. D'abord, j'ai fait un test, j'étais au souk de tir, et là, j'ai rencontré un mollah, donc un responsable de la mosquée, qui a vu tout ce que je faisais, je lui ai tout montré ce que je faisais, et il m'a dit, j'approuve votre message, et il a commencé à sortir des sourates du Coran pour appuyer ce que je disais. Est-ce que lui a ri? Oui, il a bien ri. Surtout que je lui ai donné un petit cœur en papier à un moment donné, et c'était marqué « Je t'aime, signé Dieu », en arabe. Et il l'a pris, il m'a dit « C'est magique, ça va se transformer en quelque chose ». Et je lui ai dit « Non, vous inquiétez pas, l'amour du Seigneur, c'est éternel, ça ne bouge pas, c'est une bonne garantie ». Alors il a pris le cœur, il a ouvert sa chemise, et il a mis ce cœur en papier sur sa chemise devant tout le monde. Et pour moi, ça voulait dire une approbation de cet homme qui me donnait porte ouverte dans les souks de tir. Alors je vous propose une nouvelle séquence avec un truc dont vous allez peut-être nous dévoiler l'arrière-plan. Oh là là, oh là là. Oh, yippie là. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? Bonjour tout le monde. Vous avez vu mes boules? Alors ça, ce sont des boules spéciales. Ça représente nous. Les garçons, les filles, les plus grands et les plus âgés. Et puis ça, je suis un peu désolé que ça ne brille pas autant, mais ça représente la présence du Seigneur. J'aimerais bien que vous regardiez bien comme il faut à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc, d'accord? On va regarder ici la boule verte qui nous représente nous, les garçons et les filles, les petits et les grands. Voilà. Et puis ici, ça, cette boule-là, elle est terrible. C'est toutes les bêtises qu'on peut penser, qu'on peut dire ou qu'on peut faire. Et de nouveau, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Vous voyez, c'est une boule avec un trou pour pouvoir passer la corde qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Toutes ces bêtises qu'on pense, qu'on dit ou qu'on fait. Et puis ici, je vous ai apporté une double corde. Et c'est dans cette corde que je vais passer les cordes à l'intérieur de cette boule noire qui nous rappelle toutes les bêtises et les méchancetés qu'on peut penser, qu'on peut dire et qu'on peut faire. Et pour pas que ça s'en aille, on va faire un grand nœud dessus, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et puis je vais mettre ceci ici sur la table. D'un côté, on va mettre la boule dorée qui représente le Seigneur. Hop, on met ça dedans. Et vous allez constater que la boule noire est au milieu entre la présence du Seigneur et puis nous. Nous, on est de ce côté. Aïe, 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 quelle situation catastrophique. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à éliminer toutes ces fautes? Parce que là, vous voyez que nous sommes séparés de la présence du Seigneur. Et ça, il faut vraiment quelque chose de magique qui puisse faire disparaître cette énorme boule noire qui est là et qui nous empêche d'être avec Dieu. Et ça, c'est très important. Vous voyez ça? C'est bizarre comme c'est fait. Alors, je le pose ici. Et puis, j'aimerais vous raconter l'histoire de celui qui a tout fait pour nous sauver. Et lui, je l'aime très fort. Et lui, il s'appelle Jésus. Alors, comme on dit, chapeau bas. Je retire mon chapeau pour pouvoir mieux vous parler. Alors, quand Jésus
il a accepté de mourir sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Il a dit, oh Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je trouve ça génial. Jésus qui nous pardonne à tous d'avoir fait des bêtises. Et puis, à un moment donné, il n'en pouvait plus tellement, il souffrait. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, la Bible nous a dit qu'à un moment, il a poussé un grand cri et il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Alors, on va voir ce qui s'est passé. Nous étions, nous, séparés de la présence du Seigneur. Et on va voir maintenant le miracle. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle est où? Oh là 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 là. Voilà mon péché qui est parti. Mais vous avez vu ce qu'il y a dessous? Oh, regardez-moi ça, c'est pas formidable? Nous sommes tout près du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de lui parler, de l'entendre nous parler? Parce que le péché, il est où? Oh, il est parti. Et surtout, n'y touchez pas, hein. Parce que l'autre jour, j'ai fait le tour, il y a un enfant qui me l'a tout de suite ramené. Et vous savez, quand on nous ramène le péché comme ça, c'est le diable qui fait ça. C'est bien ça ce que Dieu t'a pardonné, hein? Gna, 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 c'est ça? Alors, il ne faut pas l'écouter, on ne touche pas. Et la Bible nous dit même que les péchés, il les a jetés au fond de la mer. Et quelqu'un a dit, il y a même un écriteau interdit d'aller les rechercher. Mais c'est fantastique! Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui me sépare de la présence de Dieu. Toutes mes fautes, elles sont pardonnées parce que Jésus, il est mort à cause de moi et à ma place. Il a été puni à ma place. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux lui parler n'importe comment, n'importe quand, à tout moment, il m'écoute. Il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Moi, je trouve qu'il est formidable. Alors, vous avez le droit d'applaudir Auguste, mais surtout le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Jean-Pierre Froch, on est là au cœur du message de l'Évangile. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre annoncer tout cela? Ah, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Je me souviens, la première fois que j'ai vu ce tour, c'était à Paris, à Montparnasse. Les gars qui avaient fait le tour avaient pris des cartons qui faisaient presque un mètre de côté. Et puis le carton où il y avait le péché, c'était rempli de verre. Et quand le carton est tombé, il y avait quoi? Il y avait bien 400 personnes qui regardaient ce spectacle. C'était vraiment impressionnant comme tout. Et j'ai dit, mais c'est formidable. C'est vraiment le cœur de l'Évangile, l'amour du Seigneur qui efface et qui nettoie nos fautes. Jean-Pierre Fauche, vous venez de sortir un DVD, L'homme regarde au physique, Dieu regarde au cœur, les tours d'illusion d'Auguste. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir maintenant à votre disposition un DVD qui présente les différents tours que vous proposez à regarder à un large public? Alors, ça me fait énormément plaisir d'avoir ce matériel à proposer. Et puis, en même temps, je me dis, bah, ça, c'est un petit peu le problème de tous les artistes. Alors, j'aurais dû mieux faire, mieux arranger ça. Et puis, ça, c'était le spectacle de l'année dernière. Et puis, maintenant, c'est le spectacle de cette année qui est en train de tourner, que je trouve encore plus génial. Et puis je ne sais pas. Alors, à la fois, c'est un regard sur le passé. Puis, je dis, c'est formidable, c'est génial. Et puis, en même temps, mais ça me donne envie d'aller en avant et de progresser, d'améliorer encore les tours, de les compléter. Voilà. Alors, Jean-Pierre Froch, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été pasteur avant d'être clown. Et nous nous sommes permis de poser cette question à votre épouse, de savoir si elle préférait le pasteur ou le clown. Ça va. En fait, quand il était pasteur et qu'il prêchait, il avait toujours un très, très bon contact avec son auditoire. En clown, c'est extraordinaire parce que ça lui permet de rigoler et je vois l'interaction avec l'auditoire et ça me fait très, très plaisir. Oui, j'aime bien. Et vous le préférez au pasteur ou au clown? Oula, j'aime les deux. J'aime les deux. Mais sa personnalité de clown est très pleine. Et je ne sais pas, il le vit très bien. Et moi, du coup, moi, je suis heureuse. Jean-Pierre Fauché, c'est quand même assez particulier. Donc, on ne dévoile pas de secret majeur, mais votre épouse travaille et vous-même, vous êtes père au foyer. C'est quelque part un peu le secret d'une certaine joie, d'un certain bonheur qui vous habite en couple? Oui, on a accepté d'inverser les rôles. Ce n'était pas facile au début pour moi. Bon, ma femme a un bon travail et moi, n'ayant pas d'autres activités, je dis, ben, je vais reprendre
tout le travail de la gestion de la famille. Quoi. Oui, alors j'ai dû apprendre à cuisiner. Il y a des moments où c'est un peu dur. Quand je n'ai pas beaucoup de spectacles sur plusieurs semaines, ça me tombe un peu dessus. Je me rends compte que les dames qui restent à la maison sans arrêt, ça ne doit, ça doit pas être toujours la joie. Mais c'est aussi une manière de vivre notre vie ensemble. Et ma femme accepte, elle rentre le soir, la table est mise, le repas est prêt, la maison est propre. Moi, je suis tout fier de pouvoir lui dire, tu n'as rien besoin de faire, tu te reposes. Tout de suite, on va passer à table, c'est fini. Et le pastorat, est-ce que ça vous manque? Ah, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui me manque, c'est le contact avec les gens. Bon, je l'ai aussi au travers des spectacles, mais c'est quand même différent. Mais ce qui ne me manque pas, c'est tout ce qui est comité, administration, etc. Je suis ravi d'être loin de tous ces problèmes de gestion. Et heureux de poursuivre finalement quand même dans une dynamique... pas semblable, mais on sent une continuité, en tout cas d'annonce et de présence chrétienne au sein de cette société. Au travers de tous ces tours, j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de vivre ou de comprendre dans les Écritures. Il y a, si vous voulez, une démonstration de ce que je comprends, et puis en même temps, je me sens vraiment à l'aise avec ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire. Et puis, je me rends compte, les gens apprécient. Ça m'arrive d'être en civil, de prêcher dans une église, puis d'un coup de sortir des trucs, puis de me dire « Attends, je suis en clown ou je suis pas en clown ?» Puis je fais rire les gens, puis les gens disent « Oui, c'est vraiment le clown, quoi. » Mais c'est apprécié aussi. Jean-Pierre Froche, bouffant du Big Boss, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Madame, monsieur, nous espérons que vous aurez eu du plaisir à nous suivre et à découvrir différentes facéties que le bouffant du Big Boss nous a présentées aujourd'hui. Ah là 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 là. Moi, j'ai une grande soif. Et alors, je vais... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer. Oui, c'est moi, oui. Vous voulez dire bien fort mon nom à trois. 1, 2, 3, Auguste, voilà. Ouh, alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai très soif. J'ai très, très soif et je pensais à quelque chose. Je me suis dit, ça serait formidable si on pouvait transformer de l'eau comme ceci. Regardez, je mets ici l'eau, ici, dans mon pichet. Si on pouvait le transformer, cette eau, en limonade ou peut-être en grenadine, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre ici, dans mon pichet, je vais mettre ici l'eau que je viens de vous montrer. Regardez, je verse l'eau. Où j'en mets à côté. C'est une catastrophe. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous savez, ça me fait penser à une histoire. La première histoire qui nous est rapporté dans l'Évangile, c'est l'histoire quand Jésus, il était à un mariage. Il était à un mariage et les gens avaient des problèmes, c'est qu'ils n'avaient plus que de l'eau. Alors, normalement, les grandes personnes, elles aiment bien boire de l'eau, mais elles aiment bien que ce soit aussi de l'eau qui a un bon goût, qui vienne du jus de raisin. Mais un jus de raisin un petit peu fermenté, qui a un petit goût spécial. Oui, du vin, c'est ça, tu as raison. Alors, ça me fait penser à cette histoire parce que ils ont amené à Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 litres d'eau. Enfin, ils ne l'ont pas demandé, ils ont simplement dit qu'il y avait dans des grands récipients 600 litres d'eau. Des litres, 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 des litres d'eau. Ah oh, 600 litres, ça fait beaucoup. Ça pourrait presque remplir une petite piscine. Hein. Et puis Jésus leur a dit, ben, vous allez prendre l'eau, puis vous allez la porter aux gens qui sont en train de manger. Alors les serviteurs, ils ont pris comme ça l'eau, et puis ils ont versé là dans le pichet, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible! Mais regardez voir ce qui se passe! Moi aussi ça fonctionne! Oh là là, mais c'est génial! Oh, mais moi c'est juste un truc, hein. Lui c'était vrai. Il y avait beaucoup de gens, parce que 600 litres de vin, ça fait beaucoup, je trouve. Mais enfin, bon...
Jésus voulait qu'on fasse la fête et qu'on se réjouisse. Alors nous aussi, on se réjouit. Hein. On est content d'être ensemble et vous applaudissez l'artiste, votre Auguste. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre tout ça de côté et puis je vais vous montrer mon sac magique. Alors, vous avez une couleur. Ici, c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais c'est... Comment ça se fait que ça c'est... Ah oui, en effet, tout est attaché, mais comme c'est bizarre. Alors écoutez, il y a un truc qui ne va pas aller, il faut que vous souffliez là-dedans. Pasteur, maman, il ne devait pas être attaché, tous ces machins. Vous allez souffler à trois. Un, deux, trois. Voilà, c'est bien mieux, merci bien. Là au moins, c'est beaucoup plus clair, parce que tout à l'heure, on avait vraiment un problème là. Oh là 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 là. Alors voilà, vous avez toutes sortes de couleurs. Et voilà, et voilà, et il n'y a plus rien. Alors, on va remettre ici le petit garçon qui est blanc. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Oui, si tu veux, c'est bien. Et puis ça, c'est une fille. Alors, vous voulez l'appeler? Ouais, c'est bien. Et ça, c'est un garçon. Comment vous voulez l'appeler, lui? Ok, allez, c'est parti. Et puis elle, alors, comment? Ok, si vous voulez, moi, ça ne me gêne pas. Et puis lui, alors? Ouais. Et puis elle, alors? Ouais. Et vous savez ce qui se passe? Regardez, c'est magique. Ah, mince, ça n'a pas fonctionné. Attendez, je les remets tous dedans. Ce sont tous des enfants. Et vous savez, ceci représente le Seigneur Jésus qui a fait le miracle tout à l'heure. On va voir ce qui se passe quand lui vient ici avec tous ses enfants. Regardez ce qui se passe. Et oui, regardez, c'est pas génial. Regardez, ils sont tous attachés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé au Seigneur Jésus de venir dans leur vie. Et vous savez ce que c'est, ça? Une belle image pour expliquer ce que c'est que les amis de Jésus. Ce qu'on appelle l'Église, ce n'est pas un bâtiment, non, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui aiment Jésus et qui sont tous ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on applaudit Jésus parce que c'est lui qui fait ce genre de choses. Et oui, merci. Surprise, surprise! J'ai envie de vous faire des surprises aujourd'hui. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Et vous vous souvenez comment je m'appelle? Oui, exactement, Auguste qui vous salue bien. Je vais déposer mon beau chapeau, voilà, comme ça. Et puis, je vous ai apporté quelque chose de très particulier. Voilà, ce sont des anneaux. Elles sont quelle couleur? Rouge et jaune, oui. Est-ce qu'ils sont pareils? Oui, c'est pareil, c'est très bien. Alors, on va essayer de faire le fameux tour, comme on a dit tout à l'heure. Alors, je les prends dans la main comme ceci, et puis on va voir ce qui va se passer. Oh, regardez. Oh, oh. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Oh, regardez-moi ça. Regardez ça comme ça fonctionne. Mais c'est bizarre ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais regardez ça, mais... Oh, mais comment ça se fait? Mais tout à l'heure, les fleurs, les couleurs étaient séparées. Alors, on va voir si on peut les remettre en place, ces couleurs. Hop, voilà. Et voilà pour une, et voilà pour l'autre. Et voilà. C'est pas génial? Moi, j'adore ces trucs-là. Oh, merci d'applaudir la fille. Ouais. Aïe. Alors, je me suis dit l'autre jour, j'ai apporté ici mon sac, il n'y a rien dedans, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, ça serait formidable si je pouvais aller dans la forêt pour avoir un grand bâton. Ouais, un bâton comme ça, hein, on ne va pas faire trop. Et puis, en fait, je suis allé ici et j'ai vu que j'avais quelque chose ici de particulier. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça? Ah, il y a un élastique. Bizarre, ça qu'il y a un élastique dans mon truc, là. Ah oui, il y a un élastique. Et puis alors, regardez, ce qui s'est passé, c'est que
Ici, j'ai caché mon bâton. Mais oui, il y a un bâton, regardez. Regardez le bâton. Mais oui, 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 il est beau. Oh là 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 là. Mais il est trop grand. Mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait, ça? Oh là là, ça, c'est un grand bâton. Moi, je voulais juste un petit bâton pour aller me promener. Mais regardez, j'arrive juste au bout là. Oh là 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 là, il est plus grand que moi. Mais comment ça se fait, ça? Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Oh là 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 là. Oh, c'est étonnant. On va aller ranger mon grand bâton si ça ne vous gêne pas. Voilà, 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 voilà. Oh, eh bien, dis donc, c'est surprenant. Mais comment ça se fait? Oh là là. Oh, et puis ici, je vous ai amené mes fleurs. J'espère que vous aimez bien les fleurs. Ça, ce sont des fleurs spéciales. Vous avez vu, elles ont des sourires, comme moi. Oui, mais elles ont des sourires, mais il y en a une qui est contente et une qui n'est pas contente. Celle-là, elle est très souple, vous voyez? Elle est très souple, elle est cool, elle est contente avec tous ses copains, ses copines. Celle-là, elle est dure. Oh, elle est dure. Pourquoi elle est si dure? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle est dure? Elle essaie de se pencher, mais elle n'y arrive pas. Celle-là, elle n'a pas de problème, vous voyez? Celle-là, elle y arrive. Oh! Ça casse à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si dur? Oh là là, mais il y a quelque chose là. Ah oui, en effet. Oh, vous avez vu ce qu'il y avait? Il y avait ça dans son dos. Ça, ça fait mal, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une image, bien sûr. Mais vous voyez, celle-ci, elle était toute contente, toute joyeuse, toute souple. Et celle-là, elle était toute malheureuse, toute coincée comme ça, toute raide. Oui, parce qu'en fait, eh bien, il y avait quelqu'un qui lui avait fait mal, il lui avait mis ça dans le dos, c'est pas gentil ça. Puis vous voyez, elle était toute cassée à l'intérieur. Et des fois, c'est un petit peu ce qui nous arrive à nous. Il y a des gens qui sont à côté de nous, qui sont tout contents, tout joyeux. Puis nous, on est tout raide, tout coincé, parce qu'on nous a fait mal. On nous a fait très mal. Mais vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai retiré ce qui faisait mal. Et ça, ce n'est pas moi qui peux faire ça chez vous. Mais c'est Dieu qui peut venir et retirer ce qui ne va pas chez vous, de façon que vous aussi, vous puissiez être heureux et souple comme les autres. Alors, merci Dieu. Ça, c'est beau, ça. Quel beau fil. Vous avez vu mon beau fil? Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce fil. Oh là là, regardez-moi ça. Il est de quelle couleur? Il est blanc. Oui. Alors moi, je m'appelle Auguste et j'aime beaucoup jouer avec le fil. Alors, on va faire quelque chose de très particulier. On va prendre du fil comme ça et on va y aller là. Parce que ça représente un petit peu notre vie. Hein. Vous voyez? Alors, la vie, elle peut être très, très longue. Bien sûr, nous, les enfants qui sont petits encore, ben, la vie n'est pas très longue. Mais quand on regarde les papas, mamans, ben, déjà, ça fait beaucoup d'années. Hein. Et puis, il y a aussi les grands-papas, les grands-mamans. Alors, eux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Hein. Aïe, 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 mais regardez, regardez, on continue. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est déjà quelques années en plus. Hein. Oh là là, vous avez vu ça? Ouh, regardez. Oh là là, on y va. Aïe, 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 aïe. Vous pensez qu'il y en a assez? Ça représente votre vie, ça? Vous croyez que c'est votre vie, ça? Ouh! Bon, allez, on va s'arrêter. Voilà. Mieux vous casser avec les dents, parce que sinon on va se couper les doigts. Et puis, alors, vous avez vu un petit peu tout ça? C'est joli. Ouais, ça fait un petit peu bizarre. Des fois, on a l'impression que notre vie, elle ne sert pas à grand-chose, puis que tous les événements qu'on a vécus, eh ben, ils sont vraiment bizarres. Eh ben, vous voyez, on va tout mettre ça ici, dans la main d'Auguste. Aïe, 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 aïe. Il y en a des mètres de fil là. Oh là là. Alors, attendez, comment c'est déjà? Oui. Oh, mais... Alors, attendez, comme ça. Oh! Oui. Oh, regardez voir ça. Oh là là, là 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 là. Alors, on se demande des fois, mais on se dit, mais notre vie, mais tout ce qu'on a vécu, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais regardez ce que Dieu, il en a fait.
parce que c'est Dieu qui s'occupe de notre vie. Et il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors il récupère tous les fils, il les tisse lui-même et il fait de nous un beau foulard comme ça. Moi, j'aime bien ça, c'est beau. Alors, on l'applaudit, lui, et puis aussi Auguste. Merci. Voilà. On va ranger tout ça. Et puis, on va voir si vous savez donner des ordres à mon dé. Vous voyez, j'ai un dé sur une corde, comme ça. Alors, vous donnez un ordre, vous dites « stop hein ». D'accord, on va voir ça. Vous dites « voilà, c'est bien, tu as bien dit stop ». Alors, on continue, et voilà. Alors, il est descendu jusqu'en bas. On va voir ici si ça marche. Hein. Alors, vous dites stop. Oui, mais il faut le dire tout de suite, hein, parce que là, ça ne va pas, ça. Alors, vous êtes prêts? Non, mais, hé, oh, vous réveillez un petit peu, là. Oh, allez, allez, à trois, vous dites stop. Un, deux, trois. Voilà, c'est bien. On reprend. Un, deux, trois. Oui, formidable. Encore une fois. Et plus vite. Allons, les enfants. Non, mais, allez, alors, moi, je vais vous aider. À trois, on dit stop. Hein. Un, deux, trois. Il s'est arrêté, mais c'est formidable ça. On dit juste un, d'accord? Un, stop! Et encore, un, stop! Et on reprend. Un, stop! 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 Oui, mais il obéit bien. Ih, ça c'est génial. Oh, je ne sais pas si vous obéissez aussi bien à vos parents. Quand vous dites stop, vous arrêtez tout de suite? Vous avez peut-être intérêt à vous arrêter tout de suite quand vos parents vous disent stop, surtout quand c'est sur le bord de la route, parce que ça pourrait être dangereux, hein, très dangereux. Alors, si papa et maman vous disent stop, vous arrêtez tout de suite. Merci, les enfants. On applaudit, merci. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est un tour qu'un de mes amis m'a montré. Alors, c'est pas compliqué. On prend une bague et un élastique. Alors, vous pouvez essayer à la maison. Vous demandez la bague de maman et on va essayer. Vous prenez la bague comme ceci. Vous mettez l'élastique en pente et il faut faire essayer de faire monter la bague. Vous voyez, elle monte toute seule. Regardez voir ça. Regardez, elle monte toute seule. Oh, c'est formidable. Vous voulez réessayer? Ok, alors on réessaye de nouveau. Attention, on prend bien l'élastique en main, on le tend très fort et puis on y va. Allez, monte, petit anneau. Monte, 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 monte. Ah oui, moi je me demande si vous êtes aussi obéissant que ça quand on vous dit de monter. En tout cas, oh, il redescend. C'est joli. Alors, vous pouvez vous entraîner à la maison et bien vous amuser. Au revoir, les enfants. Et tout de bon. Au revoir. Ça, c'est beau. Vous avez vu? Ça, c'est notre vie. Alors, elle est plus ou moins longue, mais le petit problème, c'est que déjà très tôt, on sait dire un mot qui n'est pas très agréable. Est-ce que vous savez quel est le premier mot qu'un enfant dit? Maman? Non, non. Papa? Non plus. Non, le premier mot qu'un enfant dit, c'est non. Non, non. Non. Et s'il ne sait même pas dire non, eh bien, il crache à la figure de ses parents avec la purée de carottes. Et oui, pour dire non. Et ça, on sait bien dire non. Oh, déjà tout petit. Et puis après, quand on grandit, ça ne s'arrange pas. Eh bien, ça, en fait, on commence à désobéir. Et puis notre vie, eh bien, elle commence à se salir. Oui, tout doucement, comme ça. Et elle va devenir toute noire. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, comme elle se salit. Oh là 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 là. Et puis à un moment donné, eh bien, elle est toute noire. C'est tout sale. Et comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer? Oh là là, mince alors. Oh zut. Parce que j'en ai dit des fois non. Je me suis révolté combien de fois? Contre mes parents, contre tous ceux qui me demandent. Oh, je voulais qu'en faire à ma tête. Hein. Ouais. Et puis là, eh bien, je suis toute triste. Qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, Dieu, il nous aime très fort et il nous a dit que Jésus avait donné sa vie pour nous et que si on lui demandait de venir dans notre vie, alors il allait faire quelque chose de très particulier.
Vous voyez, j'ai mis ici un bandeau rouge qui représente l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui nous a tellement aimés qu'il a pris sur lui toutes nos fautes. Alors il prend nos fautes et dans le livre de Dieu, il est dit qu'il prend nos fautes et qu'il les jette loin, 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 là-bas, au fond de la mer. Mais alors, qu'est-ce qu'il advient de notre vie? Eh bien, voilà, on a de nouveau une vie toute propre parce que le Seigneur nous a pardonné. Alors, si ta vie est toute noire, si tu te rends compte que ça ne va pas dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur Jésus, je suis désolé et je te demande de me pardonner et de nettoyer mon cœur. Alors, il va faire comme tout à l'heure, il va jeter toutes tes saletés au loin et te donner une vie toute belle et toute propre. Merci. On applaudit Auguste. Oui, alors je vais essayer de faire un tour. Aïe, aïe, ça c'est un tour un petit peu spécial. J'ai deux cordes, une verte et une bleue. Ah non, ce n'est pas les bonnes couleurs. Ça c'est la rouge alors. Ah oui, d'accord, c'est rouge et saute. Bon, mais ce n'est pas grave, on va voir. Vous allez m'aider parce que vous voyez, c'est des cordes. Si, on va essayer de les faire se lever tout seul. Et ça, alors ça c'est de la magie. Hein. Vous allez m'aider, d'accord? Vous allez souffler et dire le mot magique « affût ». Mais n'éternuez quand même pas trop fort. Hein. On y va à 3, 1, 2, 3. « Affût ». Oh, regardez-moi ça. Mais c'est génial. Oh, dis donc, mais ça marche. Comment est-ce qu'on a fait ça? Oh, regardez-moi ça. Formidable! On applaudit l'artiste, merci. Waouh, c'était génial. Et là, je vous ai apporté une surprise. On va faire des bulles de savon. Oh, regardez, comme elles sont jolies, ces bulles. Oh, je vais en attraper une, là. Oh, regardez. Oh, comme elle est belle. Oh, et je la fais glisser sur... Oh, mais c'est fantastique, ça. Oh, et hop, oh là, elle a disparu. On va réessayer encore un petit peu. Oh là là. Vous pouvez essayer ça à la maison. Vous voyez, hop, oh mince, mais ça ne marche plus. Mais attends, on va vite refaire, là. On va refaire, comme ça. Et hop, hop, hop là. Oh, mais ça ne marche plus. Il faut beaucoup d'entraînement, hein. Mais vous savez, moi, je suis juste un clown. Alors, des fois, je me trompe, mais c'est pas grave. Au revoir, les enfants. Vous savez que j'ai eu un sérieux problème, hein? Ouais, ouais, en fait, vous savez que... Ah, j'ai oublié de vous dire bonjour, excusez-moi, mais je suis tellement préoccupé par tout ce qui m'arrive. Oui, en fait, on a eu un gros problème. Ça fait des jours et des jours et des jours et des jours et des jours qu'on a perdu la clé de la cave. Vous savez ce que c'est que la cave? C'est en dessous. Et c'est là où je mets tout ce que je n'utilise pas, dans la cave. Aïe, 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 aïe. Heureusement, on a trouvé la clé de la cave. Alors, les surprises, quand on a tourné la clé et qu'on est allé voir à l'intérieur, eh bien, il y avait des choses que j'avais oubliées, entre autres des pommes. Eh ouais, j'ai oublié les pommes. Tu devines un petit peu ce qui s'est passé, hein? Aïe, 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 elles étaient pourries, c'était terrible. Mais enfin, je me suis amusé avec cette clé et puis j'ai essayé un nouveau tour. Alors, vous allez voir, c'est génial. Si vous avez une grande clé, vous aussi, vous allez pouvoir vous amuser. C'est pas compliqué. Il faut mettre la main comme ceci et puis mettre le bout de la clé ici, là où il y a le pouce. Hein. Moi, je ne sais pas les mots techniques, mais vous voyez là, ici, où ça fait un rebondissement comme ça, là où il y a le pouce. On pose ici le bout de la clé et puis la clé, elle doit pouvoir tourner. Vous voyez comme ça, elle doit pouvoir tourner. Alors, on met la main comme ceci, bien en équilibre avec la clé dessus. Et puis, il faut essayer avec les yeux, pousser ici, pour que la clé, elle puisse tourner, mais sans bouger la main. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ce que ça donne. Voilà, regardez voir ça.
Alors on appuie tout doucement avec les yeux et la clé, elle tourne toute seule. Hop là! On réessaye encore une fois et il ne faut pas bouger la main du tout. Alors si tu trembles un peu, ben faut attendre un petit peu. Alors on y va, on essaye, on va voir si ça marche. Et voilà. C'est formidable. Alors, si vous prenez la grande clé de la cave et que vous jouez comme on a joué maintenant, n'oubliez surtout pas de remettre la clé à sa place, sinon vous allez être grondé. Hein. On applaudit Auguste, merci beaucoup. Voilà, alors, je vous ai apporté... Ah là 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 là, ces bâtons, ce sont des bâtons... Certains disent que ce sont des bâtons chinois, d'autres des bâtons japonais. Alors, on va voir, peu importe pour nous, ce sont des bâtons magiques. Là, 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 là. Alors, comment ça fonctionne déjà? On met ceci ici en bas, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut tirer de l'autre côté, d'accord. Alors on tire... Attends, mais comment ça se fait ça? Alors si je veux mettre les deux en bas, comment je fais? Je mets celui-là comme ça et je... Mais, attends, là il y a un problème là. Attendez, je le remets comme ceci, comme ça, ici je le mets là et... Mais attends, tu veux rester là s'il te plaît? Hein? Oui, comme ça. Mais c'est pas possible! Ah! Mais c'est pas vrai! Ah! Mais regarde ça! Mais ça recommence! Oh, mais c'est malade et vous êtes cinglé, quoi! Attends, tu penses qu'il y a quelque chose ici au bout, là? Non, tu vois, c'est pas attaché. C'est pas attaché l'un à l'autre. Je vais même essayer de faire comme ça. Je vais essayer de le faire tout seul. On va voir. Ici. Et puis, on va essayer là, comme ça, comme ça. Hop! Et puis, qui se... C'est génial ça! Oh là là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah là 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 là! Alors là, c'est encore des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais c'est pas grave! On s'amuse bien, parce que regardez un tout petit peu comment ça fonctionne. Oh, on va ranger tout ça. Allez, et puis je vais vous apporter mon. Ma boîte magique. Vous voyez, il y a un trou, c'est pas de problème. Et on regarde, hop, on va ici. Et regardez, extraordinaire, je sors une banane. Vous croyez que c'est pas de la magie, ça? Ah bon? Attendez, je la remets dans la poche, alors. Allez, on y va à trois. Regardez, un, deux, trois, hop. Ah oui, tu crois que je vais les chercher dans la poche? Mais peut-être que tu n'as pas tort. Regardez, hop là. Oh, je vous ai eu, hein. Non, mais c'était pour rire. Allez, au revoir. Ben écoute, ça te dirait... Viens, Samuel. Viens. Je vous ai amené mon collaborateur. C'est Samuel. Bonjour. Bonjour. Eh oui, vous avez le droit de nous applaudir. On est quand même des artistes. Alors, Samuel, moi, je voudrais juste savoir si tu aimes bien boire une boisson chaude, par exemple. Oui, le thé, des fois. Tu aimes bien boire du thé? Oui. Il aime bien boire du thé. Oh, ben, ça, c'est bien, ça. Alors, moi, je t'ai apporté ici quelque chose d'un petit peu particulier. C'est... voilà, je vais te montrer. C'est une boîte. Et dans cette boîte, j'ai mis du sucre. Ah, mais attends, c'est pas du sucre, ça. Ça ressemble un petit peu. C'est du sucre, ça? Non, c'est pas du sucre, écoute. Ouais, ouais. Alors, je vais mettre le foulard. Bah, mets le foulard à l'intérieur, vas-y. Rien dans les mains, rien dans les poches. Attends, rien, il s'est collé, là. Mais vas-y, remets le truc dedans, comme il faut, voilà. Voilà, 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 tu le fermes bien. Voilà. Et puis, on va essayer de transformer un foulard en sucre. Aïe, 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 aïe. Alors... Vous allez voir, moi, je suis fantastique, formidable. Un, deux, trois, c'est moi qui souffle. Ouvre-le, vous allez voir, il y a du sucre. C'est génial. Je suis le plus fort, je suis le plus fort. Tu arrives? Vous allez voir, c'est du vrai sucre.
Oh, mais attends, mais ça marche pas. Non, remets-le dedans, alors. Aïe, 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 aïe. Attends, moi, je crois qu'on va changer. C'est toi qui vas souffler et c'est toi qui vas le transformer parce que je vois que là, on a vraiment de la peine. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, j'arrive même plus à le visser, tu vois. Oh, mais c'est pas possible. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Alors, je le remets comme il faut ici en dessous. Et voilà. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Alors, oh. Voilà. Et puis, je le dévisse. Et toi, tu vas souffler. Oh, regarde, ouvre ta main. Ouvre ta main. Et regardez-moi, c'est fantastique, ça. Allez, tu le remets dedans. Moi, je trouve que c'est génial. Il ne faudrait pas qu'on nous demande un kilo de sucre, hein, parce que ça, ce serait plus difficile. Hein. Aïe, 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 aïe. On applaudit les deux artistes. Merci beaucoup. Oui. Alors, attention. J'ai apporté ici... aïe, 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 tu veux mettre le petit truc, quoi, ça. Ça, tac. C'est joli, ça. Ça, ça représente Jésus. Alors, tu me donnes un clou, s'il te plaît. Alors, je prends un clou et quand je demande au Seigneur Jésus de venir dans ma vie, alors je viens me poser sur lui comme ça. Oui, c'est fragile, hein. Et maintenant, j'aimerais te demander, Samuel, de réussir à me mettre ici les 5 clous qui sont là en équilibre. Oui, ça n'a pas tenu longtemps, dis donc. Les 5 clous en équilibre, mais tu n'as pas le droit de les faire toucher ici en bas, ni ici, ni de prendre une chic ou un bonbon pour les coller ensemble, ni un papier scotch. Alors, je vais voir si tu y arrives. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, 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 travaille. Pareil qu'il ne faut pas le distraire. Mais dis donc, waouh, mais dis donc, mais c'est formidable ça. Attends, on peut le laisser tranquille, mon ami, mais c'est génial ça. Alors ça, ce sont tous tes amis, ils sont avec toi sur Jésus. Mais ça, c'est une belle image, parce qu'en fait, c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est des hommes, des femmes, des enfants et aussi des adultes qui aiment très fort Jésus. Et alors, ils sont avec Jésus, ils sont posés sur Jésus. C'est lui qui tient l'Église, c'est pas nous. C'est pas nous qui la faisons, c'est lui qui fait l'Église. Et regarde, c'est bien parce qu'ils se serrent les coudes, hein, tu vois, ils sont tous ensemble. Et puis, ils sont sur Jésus, il n'y a rien qui touche par terre. Oh, dis donc, tu es vraiment un artiste. Hein. Moi, j'aimerais te féliciter, bravo, c'était formidable. On l'applaudit très fort, vous êtes d'accord avec moi? C'est vraiment un artiste. Hein. Allez, ensemble. Merci. Voilà. Formidable. Vous vous souviendrez? Hein, que c'est Jésus qui nous tient ensemble. Tu peux les ranger sans trop faire de dégâts. Au revoir les enfants et à bientôt. Là, 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 qu'est-ce que j'aime les câlins. Oh, ouais, j'aime les câlins. Oh, vous avez vu mon grand cœur? C'est un cœur un peu spécial, il a des bras. Bah, c'est des cœurs, c'est un cœur qui fait des câlins à Auguste. Oh, il peut aussi vous faire des câlins à vous, si vous voulez. Moi, j'aime bien le cœur. Oh, parce que Dieu, il nous aime très, très fort. Il est toujours avec nous. Et puis, vous savez ce qu'il nous dit, Dieu? Il nous dit, ben, si tu veux, toi aussi, tu peux aimer les autres. Alors, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Regardez, c'est une éponge. Vous savez, une éponge, c'est pour essuyer, pour nettoyer. J'ai trouvé qu'elle était belle, cette éponge, parce qu'elle a une forme de cœur. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que quand les autres y font des bêtises, ce qu'on peut faire, c'est venir effacer leurs fautes. Hein? On les efface comme ça. Ça s'appelle le pardon. Moi, je trouve que c'est génial. Oh, on n'en veut plus aux autres, c'est pas grave. Et puis, on efface, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Mais s'il vous plaît, n'allez pas couper l'éponge de maman en forme de cœur. Hein? Je ne sais pas si elle va aimer. Mais rappelez-vous que quand vous avez mal au cœur, vous pouvez vous approcher de Dieu pour lui dire « Seigneur, un câlin, s'il te plaît ». Et il nous dit « Mais je t'aime, mon grand, je t'aime, ma grande, je suis toujours avec toi ».
Et puis, quand quelqu'un vous fait mal au cœur, ben vous pouvez aller effacer avec votre cœur comme ça tout ce qui a été mal fait, qui vous avait fait mal au cœur. Voilà les enfants, on applaudit pour le beau cœur et je le mets ici. Voilà, oh, il est beau. Oh là 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 là, alors, ouh, regardez, on va faire un petit tour de magie comme ça, juste pour rire. Alors ça, c'est quelle couleur? C'est jaune. Alors regardez, je mets ça dans la poche ici et on souffle à 3, 1, 2, 3. C'est pas génial, c'est quelle couleur maintenant? C'est jaune? Non, c'est noir. Alors on va essayer, comment t'as dit, noirte? Non, c'est noir. Même au féminin, on dit noir, pas noirte. Alors je mets ici dans la poche et qu'est-ce qui se passe? Oh, ça devient... Pourquoi vous riez pas? Ah, parce que vous pensez qu'il y a... Mais non, il n'y a pas d'autre gène. Ah non, je n'aurais pas dû le sortir. Oh là là, mais quel... Ouh, je suis distrait, c'est pas grave. Oh, regardez ma corde. Oh, j'ai fait un nœud. Il paraît que c'est un nœud volant. Alors, on va voir si ça va voler. Mais pour ça, il faut que vous puissiez dire le fameux mot magique. Vous savez, celui qui chatouille le nez. Feu. Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer. On essaye. Alors, vous dites, on y va à 3. 1, 2, 3. Mince, ça ne marche pas. Ah oui, mais vous n'avez pas dit tous ensemble, c'est pour ça. C'est vraiment à 3, ce n'est pas à 2 qu'on dit le mot magique. Hein. On y va. Allez, 1, 2, 3, et hop. Oh, il est parti, il s'est envolé. Enfin, il s'est envolé pas bien loin, mais il est parti quand même. On va essayer de le refaire. Je ne sais pas si je vais réussir parce que moi, des fois, il y a des trucs comme ça, je n'arrive pas bien à le faire. Alors, on fait ça comme ça. Si je ne me trompe, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Oh là là, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Comme ça. Voilà, comme ça. Aïe, aïe, aïe. On va voir si ça fonctionne de nouveau. Alors, vous êtes prêts? On y va. Oh là là. Peut-être qu'un jour, je vous l'apprendrai, celui-là. Hein. On y va. 1, 2... Et 3, assez. Oh, il est parti. Oh, oh, c'est génial. Moi, j'aime bien les trucs qui volent comme ça. C'est super. Oh, oh. Et là, attention, je vais vous montrer mes cartes. Il y a 3 cartes. 3 dames. Dame de pique, dame de carreau et dame de trèfle. Alors, regardez bien où est la dame de carreau. Elle est au milieu. Je la retourne et je la mets ici. Voilà, sur la table. Et qu'est-ce qui reste? Bah, il reste la dame de pique et celle de trèfle. Et là, c'est la dame de carreau. Mais non, c'est la dame de cœur. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai envie de vous montrer des cœurs tout partout. Parce que c'est pour vous dire que le plus important, c'est d'être aimé et d'aimer les autres. Au revoir tout le monde. Vous avez vu mon petit animal, là? Il est bizarre, hein? C'est une chenille. Eh oui, c'est une chenille. Vous savez, la chenille, c'est cette espèce de petit animal qui galope. Enfin, il galope pas, il passe d'une feuille à l'autre et il grignote. Il a beaucoup de pattes et puis il est là, il mange, il mange, il mange, il mange. J'ai ici une autre image de la chenille, vous voyez? Regardez comme elle est belle. Vous la voyez, elle fait un grand sourire comme ça. Alors, elle se traîne sur son ventre. Et elle a des petites pattes comme ça, puis elle avance. Et puis alors, elle mange toute la journée. Elle a des grandes mandibules, puis elle mange, elle mange, elle mange, elle grignote. Et alors, les gens, ils l'aiment pas beaucoup parce qu'elle fait du dégât. Mais vous savez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question indiscrète. Il m'a dit, Auguste, t'as du ventre. J'ai dit, oui, je sais, je commence le régime demain. Oui, mais il m'a dit, mais tu attends quelqu'un? Pourquoi? Je lui ai dit, mais bien dit, parce que ma maman, elle attend un bébé, puis il a un ventre comme toi. Elle dit, non, écoute, moi, j'attends personne, peut-être un stagiaire, mais il n'est pas encore là. Alors, vous savez, j'ai pensé à une chose. Quand une maman, elle a un bon petit ventre, il y a quelqu'un dedans.
il y a un bébé. Des fois, il y en a deux. J'ai connu quelqu'un qui en avait trois. Et puis alors, si on pouvait s'approcher du bébé et puis lui dire, dis donc bébé, tu sais, un jour, tu vas marcher. Il est dans l'eau. Un jour, tu vas manger avec ta bouche, mais les nourris avec le cordon ombilical. Alors le petit garçon ou la petite fille vous dirait, ça va pas là-dedans, t'es fou, hein, foufou. Et moi, je suis nourri logé au frais de la princesse. Ouais, moi, je vais jamais marcher, c'est des histoires. Et pourtant, un jour, le petit bébé, eh ben, il va sortir de sa maman. Il sera plus dans l'eau, il va apprendre à marcher. Eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui va se passer ici avec notre chenille. Vous voyez la chenille? On la met ici. Et puis, qu'est-ce qui va se passer un jour? Eh oui, regardez, mais c'est superbe. Oh, il y a tout plein de couleurs en plus. Qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette chenille? Un beau papillon. Alors, vous savez, les petits-enfants, si on pouvait leur dire, quand ils sont dans le ventre de leur maman, qu'un jour, eh bien, ils vivraient sur la terre et puis ils pourraient respirer, ils ne seraient plus dans l'eau, les enfants nous diraient « c'est pas possible », comme la chenille nous dirait « c'est pas possible ». Eh bien, Dieu nous dit qu'après la vie, il y a un passage qu'on appelle la mort et il y a quelque chose d'autre après. Et c'est un petit peu comme la chenille, nous on est comme des chenilles et un jour, on deviendra des papillons dans la présence du Seigneur, seulement si on veut de lui, hein. Parce que si on n'a pas voulu du Seigneur ici sur la terre, alors Dieu ne va pas nous forcer à vivre avec lui pour toujours. Mais si on aime Dieu de tout son cœur et qu'on aime ceux qui sont autour de nous aussi de tout notre cœur, alors on deviendra aussi des papillons et on sera dans la présence du Seigneur. Et ça, je trouve, c'est génial. Regardez ma petite chenille ici. Elle va aussi se transformer un jour en papillon. Et oui, elle arrive, regardez. Ça prend un peu de temps, mais regardez comme elle est jolie. Oh là là! Et la chenille a disparu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Un beau papillon. Oh, celui-là est un petit peu abîmé, mais il est très joli parce qu'il vient de naître. Oh, tandis que celui-là, regardez comme il est beau. Oh, et ça, c'est ce que nous serons un jour dans la présence de Dieu. Oui, nous qui avons été comme des chenilles sur la terre, on vivra là-haut pour toujours avec lui. Il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, plus de souffrance, plus de problèmes, plus rien à mettre dans la valise d'Auguste, parce qu'on sera toujours avec lui. Comme les papillons qui s'envolent, alors qu'avant ils étaient des chenilles, eh ben nous aussi, on était un petit peu comme des chenilles. Et puis pour toujours, on sera des beaux papillons dans la présence du Seigneur. Moi, je trouve ça merveilleux et j'ai envie de dire un grand merci à Dieu. Merci Dieu et on t'applaudit très fort. Oui, voilà. Vous connaissez ce tour là? Il y a donc trois cordes. Oh pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire bonjour. Je suis dans mes cordes là depuis un moment. Donc là j'ai une corde, oui, jaune, c'est ça. Et puis une bleue et voilà, c'est ça. Alors, je me demande. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors on va mettre ici la bleue, on va l'attacher ensemble, d'accord? Alors j'attache la bleue ensemble, comme ceci, les deux bleus ensemble, les deux bouts bleus, donc ça va faire, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, alors j'ai une boule, un anneau bleu, je vais maintenant... Attends, c'est pas bien attaché, mon histoire. Ah, j'ai de la peine. Vous savez faire des nœuds, vous? Parce que moi, j'ai vraiment de la peine avec les nœuds. Ah là là. Alors, je vais prendre le bout rouge ici, et puis je vais attacher l'autre bout rouge dessus, comme ceci. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Voilà. Et puis, je prends le bout jaune ici, comme ça, et je vais l'attacher sur le bout jaune. Donc,
Si vous êtes très fort en calcul, si je mets, j'attache le rouge avec le rouge, que j'attache le bleu avec le bleu et le jaune avec le jaune, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai une boucle, deux boucles et trois boucles. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Oh là, c'est vraiment un casse-tête et je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Mais moi, je pense que, celui qui est au ciel, c'est Dieu, le Père. Et puis, dans la Bible, il nous est dit que Dieu, il est venu sur la terre. Et ça, c'est Jésus. Alors, c'est le rouge. Et puis, quand Jésus est remonté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu. Alors, pour nous, des fois, c'est un peu casse-tête. Qui c'est qui est Dieu? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? On se demande des fois. Et pourtant, dans la Bible, on se rend compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ben, c'est quand? C'est qu'une seule personne. C'est trois personnes, mais c'est un seul Dieu. On a de la peine à comprendre. C'est comme Auguste, par exemple, il est marié. Il est marié, alors lui, il a une femme, il est marié, il est mari. Et puis, il a des enfants, alors il est papa. Et puis, en même temps, il a eu des parents et il était enfant. Alors, je suis un enfant, je suis un mari ou je suis un papa. Je suis tous les trois en même temps. Dieu, c'est un peu pareil. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, on les voit les trois ensemble, on voit bien qu'ils sont bien distincts. Et pourtant, quand on... avant, vous allez souffler, s'il vous plaît, parce que là, il faut m'aider. Voilà, vous avez soufflé, et on jette ça en l'air. Et qu'est-ce qu'il y a? Regardez voir ça. C'est pas formidable? On a bien trois personnes, et pourtant, un seul Dieu. C'est un casse-tête, mais je trouve ça génial. Vous savez, c'est un petit peu comme le soleil qui brille là-haut dans le ciel. C'est comme si c'était lui qui représentait le Père. Et puis, les rayons du soleil, c'est Jésus. Et puis, la chaleur qu'on ressent, c'est le Saint-Esprit, mais pourtant, c'est toujours le même soleil. C'est un petit peu comme l'eau, vous savez. Prenez de l'eau, vous la mettez dans le frigidaire, elle devient dans le congélateur, elle devient de la glace. Et puis, si vous la faites bouillir, elle devient de la vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais c'est toujours de l'eau. L'eau, elle est dure, c'est de la glace. Elle est liquide, c'est toujours de l'eau. Et puis quand elle est vapeur, c'est toujours de l'eau. Si on l'analyse, c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est un peu un casse-tête, mais moi, je trouve ça génial de voir que nous n'avons qu'un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, je trouve ça génial et ça rassure mon cœur de pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est que tout cela. Alors, vous vous souviendrez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Bonjour les enfants, vous allez bien? Aïe, 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 quel plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez comment je m'appelle? Ah, vous ne savez pas? Mais regardez, c'est écrit sur ma valise. Vous savez pourquoi c'est écrit sur ma valise? Parce qu'il y a des moments, je ne sais plus comment je m'appelle. Alors, c'est tellement plus simple de regarder ma valise. Oui, alors je m'appelle Auguste. Ouais, vous pouvez répéter à trois. 1, 2, 3. Auguste. Auguste, oui. Alors maintenant, vous allez le dire très fort. 1, 2, 3. Auguste, oh, ouh là là, ça fait du bien. Ouh, vous allez bien alors? Vous savez, si ça ne vous gêne pas, j'aimerais pouvoir retirer mon beau chapeau. Comme ça, je vais vous montrer mes longs cheveux soyeux. Oh, pardon, c'est pas grave. Allez, je laisse ici mon petit chapeau. Voilà, et je vous ai apporté ma valise magique. Une valise magique. Vous vous rendez compte? Une valise magique. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Oh, vous avez deviné? Vous croyez? Regardez un petit peu à trois. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oui, c'est vrai. C'est ma valise magique. Mais c'est la valise à problème. Parce que vous savez, chaque fois que j'ai des soucis, que ça ne va pas bien dans mon cœur,
que je m'inquiète, ou simplement que j'ai des problèmes avec mes voisins ou ces autres voisins-là, eh bien, je mets ici tout dans la valise. Quand ça ne va pas non plus bien fort à la maison ou ailleurs, je mets tout ça dans ma valise. Alors, si toi, tu as aussi des choses qui ne vont pas bien, peut-être à l'école, peut-être à la maison, tu jettes tout ça dans ma valise. Allez, vas-y, jette. Oui, vas-y, encore. Oui. Oh là là. Ouf. Eh, c'est trop lourd, ça. Moi, je ne suis pas le bon Dieu, hein. Alors, je vous donne ma solution. Quand j'ai mis mes problèmes là-dedans, j'ouvre ma valise et hop là ! C'est pour toi, Seigneur. Et lui, il s'occupe de tout ce qu'on lui donne. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours le sourire. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je ne vais pas rechercher mes problèmes quand je lui ai donné. Alors, il faut faire pareil, hein. Tout ce que vous avez mis là-dedans, vous le laissez, c'est parti là-haut et il s'en occupe. Eh oui. Oh, allez, je vais déposer ma valise. Et puis si jamais, pendant le spectacle, le spectacle, je me suis encore trompé, eh bien, vous avez encore des choses qui sont lourdes, eh bien, vous les jetez là dans la valise. Puis vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Alors, je vous ai apporté ce matin quelque chose de très particulier. J'espère que vous allez voir les couleurs, hein. Vous voyez les couleurs ici ? Oh là là, il y a du bleu ici. C'est pas du bleu, c'est jaune. Ah, j'ai toujours des problèmes avec les couleurs. Mais enfin, là c'est du vert. C'est pas du vert non plus. Aïe. Ah, c'est le rouge. Alors, ça c'est le rouge et ça c'est le jaune. Et si je le change ici, ça devient bleu et... Ah non, c'est pas bleu, c'est toujours rouge. Alors regardez, c'est pas compliqué, il y a deux barres. On met ici une cordelette à travers, elle est rouge, oui je sais, merci. Et puis ici on prend la... Oui c'est ça, oui la jaune, oui merci. Et voilà. Mais alors regardez ce qui va se passer. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que quand je tire ici, c'est bien du rouge qui apparaît et là c'est du jaune. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment spécial, hein. Vous vous rendez compte un petit peu? Ça, c'est des engins qui font réfléchir. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on comprend pas que c'est pas normal. Au contraire, il y a des trucs comme ça, et je vous en montrerai plusieurs tout à l'heure. Au revoir, les enfants. Thank you.